Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5, on est très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour parler de football européen. On a quelques matchs à analyser ce soir qui viennent de se terminer. On va pouvoir aller en Italie, on va pouvoir aller en France pour voir les résultats du Milan, de la Lazio, de Saint-Etienne et de Monaco, notamment mon plateau du soir, Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va super. On ne se quitte plus. Comme un dimanche. On pense qu'on va se quitter et puis en fait on ne se quitte pas. Ah pourquoi tu veux qu'on raconte la vraie histoire? On la racontera un peu plus tard. On la racontera après, tu veux teaser. Je fais un petit teasing pour les socios qui sont déjà présents. Pour parler des Ça va très très bien, je suis content de te retrouver, même si un animateur. Moi aussi. C'était un autre animateur. Très heureux d'être là. C'était un autre animateur qui devait être à ta place. Salut moi, Chabi. Bonsoir à tous. Comment bonsoir, ça va bonsoir. Je t'ai réveillé en disant ouais. En train de dormir. Ah ouais, tu sais qu'il a des cernes lui. Ouais, aussi. Non, mais j'ai des cernes. Ah ouais, mais comme les yeux rouges. J'ai reçu la famille tout le week-end et c'était très compliqué. Et ouais. Il y avait les enfants et tout, c'était fou. Ah ouais. Heureusement que tu as ta petite respiration Club des 5. Ouais. Exactement, mais exactement, c'est vrai que c'était calme, c'était bien. Non, mais là, je t'ai jamais vu comme ça. Ouais, non, mais là, je suis vraiment. Ah, c'est quoi ce qui s'est passé? C'était des veillées, vous êtes fait des loups-garous? Non, il y avait des. C'est ça la vie d'adulte. Tu reçois, faut faire à manger. Oui, mais les gens partent à un moment donné à minuit, tu dors. Oui, mais 3 jours. À 3 jours, ah ouais, à 3 jours. En fait, ils viennent tôt. Ah ouais, d'accord. Tu fais à manger toi, Samy Machel? Je cuisine très bien. Ah oui. Ah, il nous a reçu cet été. Je me rappelle plus, c'était lui qui avait cuisiné. Ah si, c'est lui. Il m'a parlé, c'est pas beau ça. Et le mec, il s'est pris facile 2 assiettes. Moi, j'étais très concentré. Le tagine au poulet, tu l'as. Moi, j'étais très concentré sur le match de l'équipe de France Espoir, je m'en rappelle. C'est vrai, cette victoire face à l'Angleterre. Ouais, exactement. Braquage. Et je me rappelais plus qui avait fait à manger. Du qualif. Exactement. Et mais une élimination honteuse contre l'Espagne, mais après c'est ça. Ça c'est anecdotique ça. Oui, c'est bon. Anecdotique. Tu sais, on retient qu'est-ce qu'il faut retenir. Exactement. Hein, voilà. Tant qu'Mbappé sera au JO, c'est ce que Samy retient. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Elton Mokolo. Bonsoir à tous. Toi non plus, on se quitte pas. C'est vrai. Ouais, ça va. On a enchaîné impeccable. Ouais, impeccable, t'as passé un bon dimanche. Ouais. On était là à midi pour parler des paris du CD5, ça va pas être très très bien marché aujourd'hui. Hein. Bon, attends, nul ou parme, calme-toi. Ouais, nul ou parme. Bah, d'ailleurs, sur les paris, je parlais d'Unai Simon qui était la garantie de la tech. Qu'est-ce qu'il a fait comme arrêt aujourd'hui? J'étais loin de penser qu'il ferait pire. Mais ça, c'est pour les paris du CD5, donc vous pouvez voir l'émission, elle est disponible, et puis on fera un petit mini débrief. Lors de la prochaine, ce sera pour la Ligue des Champions, ça sera mardi. Bonsoir à vous, les socios qui êtes là sur le chat. Il y en a déjà qui sont pas mal présents pour parler du Milan. Ça parle déjà de Théo Hernandez pour parler de la Lazio, de Saint-Etienne et de Monaco. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important. On a besoin de vos likes. Plus vous likez, plus des gens qui n'ont pas accès au contenu du Club des 5 parce qu'ils ne connaissent pas l'émission peuvent le découvrir sur leur timeline YouTube. Donc on a besoin de vos petits pouces bleus. C'est important pour que ce projet progresse, exactement. Vous avez nos petits réseaux sociaux juste ici comme ça, et puis pour ceux qui nous découvrent, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Club des 5, c'est juste ici, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que l'on commence une émission, parce qu'on commence à des horaires parfois un peu différents. Aujourd'hui on a commencé à 23h15 alors qu'à la base on aurait peut-être pu commencer à 23h. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, tu vas nous le dire. On a un animateur qui a fait une petite sieste. C'est ça, exactement. Qui a fait une petite sieste. Alors, vous savez quoi? Je vais pas balancer. On est 3 animateurs. On est 3 animateurs. Enfin, il en reste plus que 2. Bilal est en Belgique. Vous pouvez faire. C'est pas bien ce que votre, tu fais. Votre choix. Il y a un animateur qui a fait une sieste. C'est ça. Voilà. En fait, il y a un animateur qui a prévenu un Red Chef en lui disant « Je vais dormir jusqu'au match de Saint-Etienne-Monaco et puis j'arriverai juste avant à 20h30. » Et à 22h, le mec n'est toujours pas là en rédac. Puis on se dit « Attends, ça commence à devenir un peu inquiétant. Tu l'as eu, Sam ?»« Bah non, je l'ai pas eu. Bah, » Ah, tu donnes le prénom. Hein. Moi, je voulais pas le garder. je voulais le garder secret encore. J'essaye de l'avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 8 fois, 20 fois, rien. Je commence à m'inquiéter. Je dis, attends, on va quand même appeler Romain pour savoir en où backup, il est. Parce voilà. Que Romain n'a pas de vie. Exactement. Romain est tranquillement chez lui en caleçon en train de regarder Monaco Saint-Etienne tranquillement. Et puis en fait, non. Je vais sur ma timeline sur Twitter et je le vois critiquer la Ligue 1. Donc je me dis, il doit être devant le match. Donc déjà, il va bien. Et puis Sam me répond à 22h20. Ouais, je viens de me réveiller, etc. Et donc on a préféré, comme il a pas de match, on a préféré. Effectivement. T'es le 6e homme du Club des 5. Mais tu sais quoi, c'est à chaque fois que tu envoies un tweet, parce que vous pouvez le voir sur ma timeline Twitter, hein, chaque fois que tu envoies un tweet à Samy Mojtavi pour savoir s'il aime le spectacle qu'il en Ligue 1, et bah tu te fais payer automatiquement. Et bien après, sûr. On t'appelle et oui. Pour faire une émission. C'est le karma. Je salue Pierre-Marie Pironi qui est sur le chat et qui est le CM de
Lazio France, donc qui nous remercie de faire une émission spéciale, notamment sur la Serie A et sur la Lazio. Donc on espère que ce qu'on va dire sur les hommes de Simone Inzaghi ne vont pas trop être contradictoires avec ce que tu penses et avec ce que les fans de la Lazio pensent aussi. Le programme du soir, justement, on commence par la Serie A et on embrasse Samuel Vasselin. Ouais. On commence par la Serie A. Juste une petite. On commence pas par la Serie A. Alors vas-y. On va changer le générique au passage. Pourquoi ? On devrait mettre Pookie d'Aya Nakamura. On n'a pas les droits, malheureusement. Okay. Non, mais c'était juste une suggestion. Tu sais, on dit tout aux sociaux. Je peux faire mon sommaire, c'est bon ou pas ? En plus, on voit une superbe intervention. la prochaine, elle risque de peser. Là, il a la pression. Ah, là. Le sommaire, donc, le Milan qui perd à domicile face à la Lazio, le Milan qui replonge, le Milan de Stefano Pioli. Il y a eu quelques choix qui ont changé entre les deux journées de semaine. On va voir s'il est sur la bonne route, parce qu'il y a eu une première heure qui a été quand même assez satisfaisante pour le Milan. On va voir s'il est sur le bon chemin, Stefano Pioli. Puis on parlera de la Lazio. La Lazio qui a un attaquant, Ciro Immobile, qui n'arrête pas de marquer. On en avait parlé dans les paris du CD5. Il a encore marqué aujourd'hui. Est-ce que c'est le Lewandowski italien ? On est allé parce que lui aussi, il marque à tous les matchs. On en est à 6 matchs de suite pour Ciro Immobile. Qui porte la Lazio ? On va pouvoir savoir. Meilleur buteur de série. On va voir s'il peut porter la Lazio très haut. Ça sera la question du soir. Ensuite, on ira en Ligue 1. Il y a eu un grand match aujourd'hui. Hein. Oh, il y a eu encore un grand match pour un dimanche soir à 21h. Avec Saint-Etienne qui s'impose 1-0, un score fleuve pour les Stéphanois face à l'AS Monaco. Est-ce que c'est une victoire convaincante ? On se posera la question dans le club des 5 et puis on parlera de l'ASM avec le poids des absents. Islam Slimani n'était pas là, Serge Fabregas n'était pas là, Timo Bakayoko non plus. Et du coup, il y a un peu plus de difficultés pour cet AS Monaco. On pourra se poser la question de savoir si l'effectif n'est peut-être pas trop court pour espérer quelque chose. La question du soir, je voulais un peu spoiler, elle est sur la Lazio. Ciro Immobile peut-il emmener la Lazio en Ligue des Champions ? Ça fait longtemps que les Lazialais n'ont pas été en C1. Vous pouvez donner votre avis sur le chat et dans les commentaires pour savoir si vous voyez Ciro Immobile porter cette équipe jusqu'à au moins la 4e place en Serie A. On commence tout de suite donc par ce match entre le Milan et la Lazio, la victoire 2-1 de la Lazio sur la pelouse de San Siro. C'est l'ouverture du score et de Ciro Immobile. Le Milan qui réagit dans la foulée, Bastos qui marque contre son camp, bien aidé par Christophe Piontek. Finalement, c'est Bastos, le but a été attribué à Bastos. Et puis Joaquin Correa qui marque à la 83e minute sur un service subtil de Luis Alberto. Il y a eu une bonne première heure de la part du Milan, je le disais en introduction. Mais c'est encore trop court, c'est encore difficile face à une équipe qui est bien rodée quand même. Oui, ils ont montré de belles choses. Ce match aurait pu se terminer avec un match nul plutôt mérité des deux équipes parce qu'il y a eu des temps forts côté romain et aussi côté milanais. Je pense notamment à la première demi-heure où avant le but d'Immobile, tu as quand même une barre du même Ciro Immobile juste avant. Il y a eu aussi 2-3 mouvements dans l'Lazio Drome en transition qui ont mis en danger l'AC Milan. Et puis peu à peu, avec l'égalisation de Piatek, alors je ne sais pas s'il a été finalement... Elle a été attribuée par la Serie A à Bastos. Il a été attribué à Bastos, mais derrière, on a senti un milieu de terrain un peu plus enjoué, un Bennacer qui est monté en puissance au fil de la rencontre. Et il y a eu aussi des grosses occasions du Milan, mais après, tu es encore une fois tué par tes individualités, par un manque de qualité à un moment donné, dans les moments clés, comme face à la Roma la semaine dernière. Et tu t'enlises au classement. Il y avait une vraie opportunité de recoller après la défaite de l'Atalanta ce matin, après la défaite du Napoli aussi contre la Roma hier. Et surtout de capitaliser sur le succès difficile arraché contre la Spal cette semaine. Et tu n'y arrives pas. Et puis tu laisses l'occasion à un concurrent pour le top 4 de te mettre à 8 points. Donc ce soir, c'est un résultat très compliqué pour les Milanais. Comptablement, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de pire au Milan. Parce que justement, il y avait l'occasion, comme le disait Walid, de combler un peu le gouffre avec les concurrents, s'ils sont encore des concurrents. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a du mieux dans cette équipe-là ? Est-ce qu'on n'a pas eu une première heure un peu encourageante pour Stefano Pioli ? Oui, après, même s'il faut rester mesuré, parce que c'était un match à caractère événementiel, je veux dire, là où on va attendre le Milan AC, c'est sur sa capacité à être au-dessus des adversaires plus modestes. Là, la Lazio, le fait que ce soit une opposition très intéressante, ça responsabilise entre guillemets les joueurs milanais. La composition était bonne, moi j'ai trouvé. On a eu
une première partie qui a été très intéressante, mais ensuite on a eu un blackout, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à étirer ce football sur 90 minutes, et donc il y a eu davantage d'espace concédé à l'image du deuxième but. On est sur une transition offensive de la Lazio, et à deux, ils arrivent à désorganiser le bloc milanais. Donc il y a de bonnes choses, c'est-à-dire que Paqueta, Çalhanoğlu. Mais plus dans un rôle... Ça, tu sais, c'est pourquoi ça ? C'est parce que tu nous casses la tête sur les prononciations toute l'année. Et tu vois, là, tu viens de prendre le karma. En on dit pas, on dit pas le bêtise, c'est voilà, voilà. Il commence sur K, je pense qu'il va dire Calabria. Exactement. Parce que le mec, sur Odegaard, il veut qu'on le dise bien avec... Odegaard. Voilà, c'est Odegaard. Et tu vois, Elton, il ne bouge pas. Et Çalhanoğlu, quand même, il est... Non, mais il est en Europe depuis quand même pas mal de temps. Tout le monde sait que c'est Çalhanoğlu. Oui. Et il part sur. Voilà. Donc, ça, c'est le karma. Ça s'appelle le karma. La parole est à la défense, monsieur Elton Mokolo. Allez-y. Tends le bâton pour te faire battre. Allez-y, monsieur. Non, mais j'avoue, je me suis trompé. Donc, tu voulais parler d'Akan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui était en poste de meneur de jeu, qui a été très intéressant. Krunic aussi. Moi, j'ai bien aimé le pressing milanais, c'est-à-dire qu'on sait que face à. Au 3-5-2 bien travaillé de la Lazio, tu peux concéder beaucoup d'espace sur les transitions. Et moi, j'ai pas vu une équipe milanaise concéder tellement d'occasions. C'est là où il sera attendu, Pioli, c'est sur la capacité à baisser sensiblement le nombre de buts encaissés par le Milan. C'est bon, ce soir, t'en as deux. Mais au moins, il y a un début, il y a un commencement. Après, Donnarumma a été mis à contribution quand même. Oui, il a été mis à contribution, mais après, c'est pas comme s'ils étaient. Ils étaient pas acculés parce que la tactique de la Lazio était quand même bien définie, mais il a été mis à contribution. Ouais, On a vu la composition tout à l'heure de Stefano Pioli. Alors, cette composition, elle a été changée par la sortie de Castillejo au bout d'une demi-heure de jeu. Qui faisait un bon début de match. Avec la rentrée dans le Terribic. Il y a eu d'autres changements, avec notamment Paqueta qui est sorti au profit de Leao. Après, tu te retrouves sur les phases défensives à être un peu moins fourni, et ça a été payé par le but en contre de la Lazio. Tu as senti peut-être un coaching un peu audacieux, mais pas très prudent, qui fait que ça s'est payé sur la fin, ou pas du tout ? Audacieux, honnêtement, non. J'ai trouvé ça même, enfin non, j'ai trouvé ça plutôt frileux, même par rapport à la composition de départ. Je dénote un peu. J'ai pas l'impression d'avoir vu le même match. Moi, j'ai vu plutôt une logique respectée sur ce match. Pas une seule fois, j'ai vu vraiment le Milan AC dans la maîtrise, dans la réaction. Certes, même l'action de but n'est pas forcément venue d'une action très construite. Il n'y a pas eu de lion offensif. Tu citais Paqueta. Je pense qu'il y a une faillite. Individuel de plusieurs joueurs, dont Paqueta, que j'ai trouvé, avec un impact assez faible, et d'ailleurs ça se voit sur ces derniers matchs, il apporte pas ce qu'il est censé apporter, fait écho à ce que disait Gianpaolo en début de saison, il doit être entre guillemets moins brésilien et buteur. Ah bah là, sur cette occasion, offensivement, Paqueta, Calabria, on peut le mettre aussi, je pense pas, enfin je trouve ça quand même triste de se limiter à la sortie de Casillero pour se dire que c'est ça qui a été, une sorte de déclic et qui a inversé le rapport de force. Moi, j'y crois pas du tout. Mais t'as été impressionné par la Lazio globalement ? J'ai pas été impressionné, justement. Je pense juste que voilà, je pense que la Lazio a quand même beaucoup plus maîtrisé son match. Je suis d'accord avec toi. Donnarumma a été beaucoup plus mise en pression. Il y a eu quand même des occasions. Il y a eu quand même pas mal de face à face aussi. Ce que n'a pas forcément eu le Milan AC. La rentrée de Leao, elle est quasiment fantomatique. Tu remplaces Paqueta qui est fantomatique par un autre fantôme. Ça a été un choix assez douteux. Donc moi, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ce soir, puisque pour moi, le Milan AC, aujourd'hui, n'est plus capable et n'est pas capable d'aligner des individualités pouvant se permettre de rivaliser avec un collectif comme la Lazio. Après, il y avait des absents, hein, notamment Souso qui était absent aujourd'hui, caissier. C'est une absence ou c'est un choix Non, c'est un choix, justement, donc on parlera des choix après, de Pioli juste après. Après, Souso a marqué contre la Spal, mais Souso, un match sur trois, il est absent, donc même quand il est sur le terrain. Maintenant, pour revenir à ce que disait Samy, moi, je suis à mi-chemin entre vous deux, c'est-à-dire que j'ai trouvé quand même de belles choses dans la maîtrise globale avec ballon. Maintenant, là où tu as raison, c'est que... Ah non, moi, c'est plus sans ballon que ça a été plus ordonné côté Milan AC. Bah, c'est ce que je te dis. Oui.
Vous êtes d'accord? Vous dites la même chose? Moi, je dis la même chose. Ah non, t'as dit maîtrise avec ballon. Mais je te parle de la Lazio. Ah, la c'est-à-dire que la maîtrise, à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon, la Lazio, c'était vraiment léché. On sent que il y a une vraie idée de jeu, il y a un collectif qui est mis en place, avec un coach qui est là depuis très très longtemps. C'est plus structuré, c'est plus cohérent. Et ils ont de l'avance par rapport à une instabilité côté milanais. Maintenant, t'as eu quand même quelques phases, notamment en début de deuxième mi-temps, où tu sentais que le Milan pouvait inverser la rencontre et prendre l'avantage au score. Et ils l'ont pas fait. Et tu sens que à chaque fois c'est la même chose. Le Milan AC l'AC Milan ça a été la même chose contre l'AS Roma où on avait fait la même analyse lundi dernier avec Axel où c'était plutôt bon collectivement. On n'avait pas trouvé qu'avec la Roma il y avait une vraie différence collective. Mais après t'as des joueurs qui te mettent dedans d'un côté et de l'autre côté qui prennent leurs responsabilités et qui montrent qu'en Serie A c'est très costaud. C'était Zaniolo et Dzeko pour la Roma, ce soir c'est Correa, c'est Luis Alberto qui a fait un énorme match, c'est Ciro Immobile qui a 3 occasions et qui t'en met une sur la barre et qui t'en met une au fond. Donc voilà, clairement la différence elle se fait là. Je veux bien que pendant une heure ce soit intéressant, mais là si on regarde les gros matchs depuis le début de saison, tu perds contre l'Inter, tu perds contre la Roma, tu perds contre la à la maison ce soir, ça commence à faire beaucoup. Et sans débat, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Sans vrai débat, il y a pas de vraie surprise. Mais c'est souvent. Il y a pas un moment où tu te dis le Milan allait remporter ce match. Non, mais c'est peut-être que tu te poses la question à un moment donné, mais à la fin, c'est toujours la même histoire. Alors, Milan est à sa place. À sa place, 13e place. Tu disais, on va attendre le Milan face aux équipes plus faibles. Ah oui, mais la Lazio, ça serait peut-être la 4e, 5e, 6e équipe. C'est-à-dire que le Milan est forcément en dessous. Je suis pas sûr que l'ambition du Milan soit d'être en dessous tous les. Aujourd'hui, la Lazio est 4e. La Lazio est 4e de Serie A pour le moment. On va s'intéresser au choix de Pioli. On a vu la composition. Alors, il y a des titulaires depuis le début de saison qui n'étaient pas là. Alors, il y a toujours le milieu Biglia Benacer. On en a déjà assez parlé. On parlera de la prestation de Benacer tout à l'heure, si vous voulez. Mais Krunic aujourd'hui à la place de Kessier. Kessier qui est sur le banc, qui ne joue pas une minute aujourd'hui. Castillejo qui a été choisi pour être à la place de Souso, ça aurait pu être enterré vite dès le début. Est-ce que dans ces choix-là, Elton, tu as trouvé que Stefano Pioli ne s'était pas trompé sur le 11 de départ? Non, parce que Krunic, c'est pas tant sur le plan individuel qu'il faut voir sa performance, mais pour ce qu'il a été dans la structure du Milan, c'est-à-dire qu'on le voit sur les stats, c'est 8 duels, 6 gagnés, c'est-à-dire que là où je pense que Stefano Pioli attendait Krunic, c'est sur sa capacité à harceler la relance laziale, c'est-à-dire au milieu de terrain, tout faire pour que le bloc milanais ne soit pas aspiré. Et Krunic, il a répondu en partie au cahier des charges de Pioli. Mais après, effectivement, c'est pas suffisant, il doit être davantage plus incisif avec le ballon, mais ça c'est un processus pour moi. Tu trouves que Krunic a apporté un peu d'équilibre à cette équipe-là, sans être flamboyant offensivement forcément, mais ça a apporté un peu de justesse et d'équilibre. Honnêtement, même les statistiques, tu peux les lire doublement, tu vois, parce que bon, je suis d'accord avec ce que tu cites, mais il perd quand même 8 ballons perdus, même, enfin à un moment donné, même chose sur sa sortie, sur sa gestuelle, tu vois que le gars est déçu quand même, enfin de son match. Ouais. C'est plus le résultat. J'irai pas l'encenser, mais c'est pas forcément que sur ça que tu l'attends. À un moment donné, il y a eu vraiment aucun impact. Enfin, pour moi, il a pas pesé sur le match une seule fois. Donc j'ai vraiment du mal. Avec Paqueta et Calabria, c'est les trois que je t'aurais cités comme individualités qui ont vraiment failli. Donc pour le coup, je suis pas d'accord. Pourquoi Moi, je l'ai pas réellement vu l'occasion. J'ai pas vraiment vu le joueur se mettre en avant. Enfin, il a et pour moi, il a pas eu l'occasion. Enfin, même que tu vois que 39 ballons touchés, c'est quand même assez. C'est pas un total. À un moment donné, je trouve ça difficile de le féliciter sur... C'est un registre qui est différent de Kessié, qui peut énormément se projeter vers l'avant. Krunic est un peu plus défensif. On nous dit qu'il grattait quand même pas mal de ballons mi-temps. Il a coïncidé avec le bon pressing du début de match. Oui, c'est important de parler de structure collective, parce que le milieu de terrain, c'est Benacer, Paqueta et Krunic. Et je trouve que Krunic a bien aidé Benacer dans sa fonction de ratisser un petit peu énormément de ballons. C'est un peu comme Matuidi avec Piatti.
Pjanic. On va analyser dans le style, dans le profil. Calme-toi, Samy. Je parle pas du niveau, parce que il faut faire très attention quand tu prononces le nom de Blaise Matuidi et que Samy est en plateau. Okay. Il faut faire gaffe. Je sais, parce que j'essaie de, pour ceux qui n'ont pas vu le match, d'essayer d'imager un peu le profil des deux joueurs et de ce qui peut apporter. Maintenant, Krunic, c'est un joueur qui vient d'être intégré dans le 11 de la part de Pioli. C'est un processus. J'irai pas lui tirer à boulet rouge. Il a pas fait le match de sa vie. Maintenant, il a été précieux dans la récupération sans ballon. Avec ballon, ça a été plus compliqué et on le voit sur la fiche de stats. Par rapport à un caissier qui n'est pas bon depuis un bon moment, Pioli est aussi obligé de faire jouer la concurrence. Mais qui a une palette plus large. Oui, non, mais il a une palette plus large, mais il la montre pas depuis un mois et demi, deux mois. À un moment donné, t'es un coach, t'es déçu d'un joueur comme caissier, tu peux le piquer, peut-être que caissier retrouvera. Oui, caissier est plus talentueux que Krunic, mais à un moment donné, il faut le montrer. Et moi, je trouve que le choix de Pioli, à la base, sur la compo de départ, il est plutôt cohérent. Plutôt logique par rapport aux dernières prestations. À un moment donné, caissier, je veux bien, mais caissier, ça fait quoi, 2 ans qu'il est au Milan AC? C'est quand même assez irrégulier. Quand il est parti de l'Atalanta, on attendait quand même d'un joueur qui explose tout. C'est pas le cas. Et à un moment donné, quand t'es coach, bah, tu dois réveiller ton joueur. Et maintenant, c'est un peu comme Biglia et Bennacer. Il doit faire jouer la concurrence. Les meilleurs joueront. Et ce soir, Krunic, si je dois lui mettre une note, c'est 5,5. Je vais pas plus. Maintenant, pour le standing du Milan AC à la maison contre la Lazio, j'attends d'un milieu relayeur un 7,5. Tout simplement. Sur le chat, on nous dit on a l'impression que c'est une équipe de joueurs sans ballon, ce Milan, et qu'avec ballon, c'est tout de suite un peu plus difficile. C'est Matusalem qui nous dit ça. C'est vrai que dans les profils qu'on a, on a l'impression que c'est plutôt ça qui ressort. Oui, après, je ne vais pas aller jusque-là. Je pense qu'ils ont quand même un certain bagage technique. Après, le bagage technique pour aller plus haut, ça, c'est un autre débat. Mais c'est ce que je voulais dire depuis le début de l'émission. Encore une fois, il y a une notion d'indulgence à avoir envers le bloc milanais. C'est-à-dire qu'on est encore une fois sur un milieu expérimental. En face, tu as quand même un milieu qui travaille depuis 3 ans. Et il n'y a pas de secret dans le foot. Les automatismes appellent les automatismes. Et moi, je te donne un exemple concret. Inzaghi, parce qu'il connaît la qualité, il connaît les forces en présence de son équipe, il peut se permettre de sortir et Milinkovic-Savic et Immobile à l'heure de jeu. Et c'est pas pour autant que la performance globale de la Lazio, elle a décru. Tu fais rentrer Parolo, qui est habitué aussi de ton milieu de terrain des années. Ça démontre bien que lui, à la différence de Pioli, qui est dans un schéma expérimental, lui, il connaît son équipe, il sait sa capacité à élever son niveau ou à marquer dans les moments, dans les temps faibles de l'adversaire, et c'est ce qu'il a fait. Et côté Milan, on n'en est pas encore là. Et c'est pour ça que, moi, par rapport à Krunic, c'est pour ça que j'ai pas envie de le jeter dans le ravin. Non. Je te dis, il y a une méthodologie à avoir. Krunic, il doit gagner en galon, il doit gagner dans la régularité, et ça passe par ce genre de performance. Avant de passer à la radio, juste sur le plan offensif, donc Castillejo qui est sorti au bout d'une demi-heure. Sinon, c'était une première demi-heure assez satisfaisante. Samy, tu penses qu'il a amené un peu de différence? Il fait 2 matchs de suite qu'il jouait. Il a été bon contre l'Aspal. Il avait été bon mercredi. Mais est-ce que c'était un bon choix? Ça peut être quelque chose sur lequel le Pioli peut tabler avec le Milan? Ouais, bah après, enfin, pardon, comme Elton l'a très bien dit, il est obligé d'expérimenter. Et à un moment donné, vu que les résultats, pardon, ne suivent pas, tu es obligé de tenter des coups. Oui, je vous rejoins. Je trouve que Castillejo était peut-être sur la ligne offensive avec Çalhanoğlu. Il rate une grosse occasion. Oui, en fait, il était le plus remuant. Ouais, exactement, voilà. Plus visible. C'était celui, en tout cas, qui montrait le plus d'envie et qui a montré le plus de, on va dire, d'intention offensive sur ce début de match. Maintenant, est-ce que ça aurait été le joueur, le facteur X qui aurait pu faire pencher la balance? C'est pas non plus un joueur qui est réputé pour une finition extraordinaire. Oui, je suis pas sûr que ce soit l'élément clé qui puisse te faire passer un niveau à ton attaque. En tout cas, dans le 4-3-3, il a un profil délié. Il a un profil délié qui va pas forcément rentrer à chaque fois dans l'axe, comme les Souzo ou Çalhanoğlu. Surtout avec un 9 comme Pontec, c'est l'ailier idéal. Exactement. Et quand Rebic rentre, c'est un profil de joueur de côté totalement différent, qui lui, à Francfort, aimait rentrer dans l'axe pour... Il jouait souvent avec Boateng qui était en faux 9 pour essayer de finir les actions dans l'axe. Donc on a vu une animation totalement différente à partir du remplacement de Castillejo. Maintenant, on connaît sa carrière, on connaît aussi son plafond de verre. On sait qu'il a beaucoup d'irrégularités. Il est à sa place au Milan AC. Si vraiment c'était un très très bon joueur, il y serait pas, ou il y serait plus, ou il se serait au moins imposé, ce qui n'est pas le cas depuis qu'il est arrivé. Et
Maintenant, en fait, le problème avec le Milan AC, c'est que tu es obligé d'avoir une indulgence parce que tu es tellement arrivé à un point de non-retour en termes d'instabilité, en termes de jeu qui frise le néant parfois, que ce soir, soit on rentre sur le plateau, on dit « Ouais, mais Casillero, de toute façon, c'est pas bon, il fera rien, etc. » Ou « Non, de toute façon, le Milan, c'est nul, ils feront pas top 4. » Non, on est obligé d'avoir un peu d'analyse et un peu de, comment dire, un peu de satisfaction à quelques lignes. Et Casillero, sur la semaine, il fait partie des mecs qui sortent un peu du lot. Alors, non, c'est pas non plus. Pour terminer juste sur Casillero, Elton, il est intéressant, proportion gardée, intéressant version Milan, juste par son profil, parce que c'est un ailier débordement ou parce qu'il a quand même réussi à prouver quelques trucs qui pouvaient être retenus. Je dirais plus davantage par son profil, parce qu'on sait que la proposition tactique de Stefano Pioli, ce sera d'avoir cette notion de verticalité. Et Castillero, il l'incarne dans les bons comme dans les très mauvais moments, parce que c'est ça l'histoire de sa carrière, c'est-à-dire qu'on est sur un ailier qui n'a pas peur du contrat, qui va chercher à avancer avec le ballon. Et ça, par rapport à ça, côté Milan, on manque de ce type de joueurs, des joueurs qui sont capables d'avancer avec le ballon et de provoquer. Et donc, ce profil, il peut être intéressant, mais il faut qu'il soit maximisé par ses coéquipiers autour. Et à partir de là, c'est au milieu relayeur de l'alimenter, de lui donner les ballons dans les bonnes zones, parce que sinon, Castillero, il va s'enfermer dans quelque chose de stéréotypé où il voudra faire la décision pour lui tout seul. Mais ce qui est fou, c'est que Castillero, il a joué 27 minutes. Et on en parle comme si c'était un des hommes du match. L'image est forte du Milan, c'est qu'offensivement... Ça montre la pauvreté qui... Non, mais Rebic, tu l'as vu? Non. Léao, décevant. Alors que pourtant, c'était l'un des meilleurs sur la dernière semaine et on l'avait loué ici, notamment contre le derby où c'était celui qui prenait le plus d'initiative. Piontek, à part son but, je l'ai pas vu. Il a testé, il a tenté. Il a pas été servi. Et on arrive dans un débrief où on fait 20 minutes sur le Milan AC. Et on parle de Casillero qui a joué 27 minutes. Je pense que tout est dit. On peut passer à autre chose. On va passer à autre chose, justement. On va passer à la Lazio. On va passer à la Lazio et on va s'intéresser notamment au rendement de Ciro Immobile. Ciro Immobile qui a encore marqué aujourd'hui. On est un peu provocateur. Le Lewandowski italien, lui aussi, il marque à tous les matchs. C'est moi. Ah, c'est toi. Ouais, c'est moi. C'est pour ça que tu souris. Pourquoi pas. T'aurais dû rester là. Il marque à tous les matchs. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Ils ont tous les deux joué à Dortmund. Il y a plein de. Tu sais qu'il y a des mecs en national qui marquent à tous les matchs aussi. Vas-y, donne-moi un nom. Je te le dirai en fin d'émission. c'est la question du soir, les socios sur la Lazio. Est-ce que Ciro Immobile peut porter cette Lazio jusqu'à la Ligue des Champions? Vous pouvez nous donner votre avis sur le chat et dans les commentaires pour savoir si vous voyez la Lazio qui manque la qualification pour la Ligue des Champions depuis plusieurs années, y est arrivée cette année sous l'impulsion notamment de Ciro Immobile. On parlait des individualités qui manquaient notamment au Milan pour faire passer un cap à cette équipe. Est-ce que Ciro Immobile peut être une de ces individualités valeur sûre en Serie A qui peut porter cette équipe-là, Samy? De toute façon, la définition d'une valeur sûre, c'est que voilà, ne te déçoit pas sur ce que tu attends d'elle. Donc pour ce qui est d'Immobile, oui, c'est un buteur. On en parlait en off, après on n'était pas forcément d'accord. Oui, c'est un très bon buteur, c'est un très bon buteur de Serie A. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce qu'il est capable d'amener la Lazio un petit peu plus haut? Au top 4, quoi, finir dans le top 4. Et ben là où moi je mettrais un très gros bémol, c'est un buteur racé, il n'y a aucun souci. Maintenant, niveau statistique, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, il est là, il est présent. Mais tu as parlé de Lewandowski, tu as parlé de Dortmund, je pense qu'il y en a un qui avait un petit peu plus de temps de jeu que l'autre, il y en a un qui a un petit peu plus réussi aussi, il me semble, que l'autre. Est-ce que Immobile, son plafond de verre, tu aimes bien cette expression, Walid, c'est pas, c'est la 5e, 6e place italienne, c'est pas un joueur qui, je ne demande qu'à être convaincu, mais c'est pas un joueur qui nous a habitués à porter son club vers les hautes sphères, je suis désolé. Alors, il a déjà eu des saisons à plus de 25 buts, mais ça n'avait pas amené la Lazio. Aujourd'hui, ces deux essais à l'étranger se sont soldés par des échecs. En Italie, le seul club UP qui lui a donné sa chance aujourd'hui, ça reste encore aujourd'hui la Lazio de Rome. J'ai pas entendu de top clubs qui se sont penchés sur son cas. Et à un moment donné, il y a aussi des choses qui existent, ce sont des vérités. Donc Immobile, c'est un très bon joueur de Serie A
pour marquer ses 15-20 buts par saison, pour essayer de titiller le titre de meilleur buteur. Mais je pense sincèrement que c'est un joueur qui restera pour moi limité. Il y a du bon dans ce que dit Samy, et je suis d'accord avec lui. Maintenant, donc il y a du mauvais aussi. Oui, je vais venir. Comme souvent, tu peux dire. C'est-à-dire que son passage à Dortmund, son passage à Séville, son histoire avec la Squadra Azzurra aussi, qui est pas bonne du tout, et à chaque fois quand on demande à Immobilier de répondre présent, il a souvent du mal, notamment sur le barrage contre la Suède. Ça, il y a aucun souci, et on a vu ses limites au très très haut niveau. Maintenant, ça n'enlève pas tout ce qu'il réussit et tout ce qu'il arrive à faire avec la Lazio de Rome. C'est un peu comme pour moi, tu parlais de Lewandowski. Sans but ce soir. Sans but en 147 matchs. Ouais, avec la Lazio. Pas mal. Tu parlais de Lewandowski, moi je le comparerais un peu plus à Jamie Vardy. Sauf que Jamie Vardy a emmené Leicester avec Mahrez et Kanté au titre de champion. Mais c'est un peu ce style de joueur-là. C'est-à-dire qu'en Première Ligue ou en Serie A, ce sont des buteurs reconnus qui ont une régularité immense. Tu parlais de sa grosse saison il y a 2 ans. Il met 29 buts en Serie A. Il est meilleur buteur du championnat, il me semble, avec Icardi. Et la Lazio rate, avec l'erreur de De Vrij, au Stadio Olimpico contre l'Inter, à une minute, le ticket gagnant pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est la faute d'Immobilier? Est-ce qu'on va dire que c'est le plafond de verre? Est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas réussi à sa tâche pour emmener la Lazio de Rome en Ligue des Champions? Je ne pense pas. Parce que ce qu'on demande à un buteur, c'est de mettre des buts, et des buts hyper importants. Et cette année-là, il les avait mis. Si on regarde le début de saison, il a connu un début de saison compliqué où ça a frité un petit peu avec Inzaghi. Et il l'a même mis sur le banc. Et il a lancé sa saison juste le match avant Rennes, notamment en Ligue Europa. Et depuis, ses buts. Même contre Rennes, je crois qu'il marque. Oui, contre Rennes, il marque. Et depuis, c'est but sur but. Maintenant, je pense que c'est plus la structure défensive, ce qui va se passer en dessous, qui va permettre à la Lazio d'aller en Ligue des Champions. Pas forcément Immobilier. Immobilier continuera à mettre entre 17 et 26 buts de Serie A par saison. Alors, est-ce que, après, par contre, la question que tu me poses, c'est est-ce que quand ils vont aller en Ligue des Champions, ça va être un peu léger en termes de niveau? Je peux rejoindre Samy. Par contre, le travail d'Immobilier, on peut pas lui reprocher. Il est là et ce soir, il est sur Immobilier. Cette année, juste, on voit ses statistiques. Donc 14 buts en 13 matchs, il a été 11 fois titulaire. Je vais vous donner l'avis de Pierre-Marie Pironi, qui est le CM de la Dio France, parce que ça peut être ça peut être assez intéressant d'avoir ce qu'il connaît un petit peu. sous l'impulsion de Ciro Immobilier, pourquoi pas. Il y a un bon début de saison de Correa et un bon début de saison de Luis Alberto et de Milinkovic-Savic. Mais c'est la défense qui est un peu trop faible et qui peut coûter des points. Il y a 2 ans, ça avait été le problème. Encore l'année dernière. Pas mal de ceux qui nous disent aussi que la Lazio a raté le coche il y a 2 ans. Oui, mais l'année dernière, il y avait une saison très très compliquée. Je crois qu'il termine 8e, il me semble. Où le transfert avorté de Savic. La saison dernière, 8e. Luis Alberto, qui n'avait pas été au niveau. L'année où il loupe la Ligue des Champions, il avait fait 11-14, je crois. 11 buts, 14 passes décisives. Il avait été très très bon. Et derrière, ils n'avaient pas assumé. Mais quand ils loupent le coche, ils ont une défense qui est catastrophique. Je crois que c'est l'une des pires défenses. Il y avait Wallace, l'ancien Monégasque. Exactement, qui donnait un but à chaque match. Donc, offensivement, c'était très très bon. Mais malgré ça, ça n'a pas permis à la Lazio d'aller en Ligue des Champions. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit forcément que Immobilier. C'est ça. Il aidera, mais. Pour moi, il ne faut pas individualiser le cas Immobilier. Je pense que ça serait une réponse collective. Walid, il parlait de Jamie Vardy et l'autre, j'ai oublié, mais je pense qu'il s'inscrit plutôt. J'ai dit que Jamie Vardy. Ah, t'as dit oui. Jamie Vardy et Leicester, il a dit. Donc c'était d'accord. Pour aller avec. Non, mais il s'inscrit plus dans la lignée de ces attaquants italiens qui ont été élevés dans dans l'idée binaire. Si tu marques, t'es le héros de la semaine. Par contre, si tu marques pas, t'es rien du tout. Et donc lui, on voit, c'est quoi? C'est 30 ballons touchés, grand max. Il doit être létal. Et sans ça, il répond au cahier des charges. Mais maintenant, pour répondre à ta question de manière plus précise, je pense qu'il s'inscrit dans un registre collectif. Et moi, je fais référence à la saison dernière. La saison dernière, souvenez-vous, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons et ça impacte le rendu collectif de la Lazio, si bien que on a été confronté à des situations où Immobilier, il est obligé de faire la décision tout seul. Souvenez-vous du but face au Napoli, où il est obligé de passer en revue toute la défense et mettre ce but magnifique. Et malheureusement, tu ne peux pas faire ça toutes les semaines. Alors que cette saison, à partir du moment où tu as Correa,
Milinkovic-Savic et Luis Alberto qui sont performants, qui sont proches d'Immobilier, il a davantage de ballons dans la surface et ça fait ficelle. Je vous explique pourquoi on rit. Pourquoi? Parce que quand il a dit on se rappelle de ce but face au Napoli, j'ai regardé la tête de Samy. Et il a dit non. Et Samy, non mais tu sais, Samy c'était plus une tête de... Ah tu fais bien Samy. C'était le, c'était la tête Samy. Du... Non mais quel de... ah oui le but contre le Napoli. En fait c'est la première journée de Serie A. Il marque le Koulibaly. Encore Raoul Albiol il fait la pub Canal Plus. Exactement. Voilà. Donc Tiro Immobilier, voilà, on a parlé de lui. Il y a Tom Ruiz qui nous dit pour parler aussi d'autres individualités, notamment de Luis Alberto qui aujourd'hui fait un bon match. Ça, c'est très important. Qui avait dit que l'année dernière il avait précipité son retour de blessure pour aider l'équipe et ça l'avait poursuivi un peu toute la saison. C'est vrai qu'aujourd'hui, il apporte une touche technique, Samy, qui est non négligeable pour cette équipe de la Lazio. Dans les transitions défense-attaque, Luis Alberto, il est primordial. Oui, moi aussi. Moi, j'ai trouvé sur le ballon de but, oui, c'est clair qu'il est là. Après, Correa aussi fait son match. Mais c'est clair que, moi, je trouve qu'il apporte énormément de liens. Non, je trouve que... Je sais pas pourquoi il a fou rire. Il y a des moments, il a fou rire. Non, en fait, je voulais juste te dire que je te rejoignais. T'étais d'accord, ok. Non, qu'il a porté beaucoup de lieux offensifs maintenant. En fait, j'ai du mal, parce que oui, aujourd'hui, ce sont des joueurs qui te permettront d'avoir un niveau de performance très correct en Serie A, mais Luis Alberto, pardon, tout comme Immobilier, j'ai encore beaucoup de questionnements sur le très très haut niveau les concernant. Oui, mais là, maintenant, sur le match d'aujourd'hui, face à ce Milan-là, c'est clairement un joueur qui a pu sortir du lot. Moi, je comprends, mais encore une fois... C'est juste ça, c'est pour ça que... Non, mais bien entendu, mais tu sais que dans le club des 5, on ne parle pas que des très grosses équipes ou des... Ils vont gagner la Ligue des Champions. Mais c'est pour ça que je peux te dire aussi que face à ce Milan, ce sont des joueurs qui seront suffisants pour aller, parce que l'objectif de la Lazio, c'est de retrouver en Ligue de la Ligue des Champions. Quand tu vois l'Atalanta avec Ilicic, avec Papu Gomez, qui sont de très bons joueurs, ils vont jamais aller au Real Madrid, ils vont jamais aller au Barça. Quand Zapata qui vagabondait en Serie A l'Udinese ou à la Sampdoria, mais je peux avoir ce questionnement. Je peux avoir ce questionnement en me disant est-ce que ce sera suffisant en fin de saison, parce que je pense aussi que les autres grosses cylindrées de ce championnat ne sont pas encore à plein régime est-ce que ce sera assez suffisant? C'est plus derrière que devant. Non, mais si on fait un portrait robot des forces en présence de la Serie A, il y a une hiérarchie qui se dessine. Juve, Inter, bon, ça ne devrait pas bouger jusqu'à la fin de la le saison. Le troisième, les Las Véron. Non, j'irai pas jusque le troisième. Si tu veux qu'on ait des problèmes, on va commencer à parler des... Je m'efforce depuis tout à l'heure à pas relier les messages qui sont en rapport, parce que le racisme dans le football italien, c'est une plaie, on va pas pouvoir en parler. Et pas parce que dans le parce que nous, on n'est pas des commentateurs, ou pas que dans le football italien, t'as raison, on n'est pas des commentateurs là-dessus, on parle juste de jeu, donc on va pas me faire de passer sur les Asveron et les agents là. C'était une petite boutade par le troisième, on peut penser que ça sera Naples, et encore, je suis pas certain, et c'est Cassano qui le disait cette semaine dans une interview. On peut penser que va y avoir un match dans le match entre l'Atalanta et la Lazio. Donc c'est plutôt la Roma aussi. Attends, moi je vais te refaire ta petite hiérarchie parce que je trouve qu'elle est pas bonne. C'est un duel à deux entre l'Inter Milan et la Juventus et derrière, tu auras une course pour deux places comme tous les ans. Voilà, avant c'était le Napoli. Là maintenant ça s'est inversé entre le Napoli et l'Inter où ça va être le Napoli, l'Atalanta, l'AS Rome et la Lazio de Rome. Pour moi aujourd'hui C'est ce qui se dessine. Maintenant, encore une fois, avec la Serie A, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Mais l'année dernière, et même il y a deux ans, ça fait deux ans qu'on fait le club des 5, c'est les mêmes débats pour l'Europe. On a une course à 4 à chaque fois, rappelez-vous des graphes, l'Inter, l'AS Roma, le Milan AC. Là, aujourd'hui, on a 4. Et à l'Atalanta qui a pris la place du Milan AC, parce que le Milan AC commence à être à 8 points de la 4e place. Au mois de novembre. Voilà, ça commence à faire un peu loin en un trimestre. Surtout que je pense pas qu'ils vont retrouver une grosse régularité dans les résultats. Donc pour moi, la course à 4, elle est décidée entre les quatre. Après la Roma, quand bien même, bon, c'est une petite parenthèse, quand bien même le travail de Fonseca il est intéressant, je me dis que qualitativement il y a des manques.
Ouais, mais si tu compares par rapport à la Lazio, par rapport à la Lazio, par rapport à l'Atalanta, ce qui risque de vient de taper le Milan, il vient de taper le Napoli, il vient d'en mettre 4 à l'Udinese. La semaine, elle est plutôt intéressante pour la Roma. Et très positive. Ouais, bah, c'est quand tu retrouves Javier Pastore, de toute façon, c'est tout de suite plus facile. Il a un rôle de figurant dans le feuilleton. Sur le match contre le Napoli, un rôle de figurant. Il a été très bon. Mais c'est bien, les figurants, tu vois, dans les séries, comme Parker Lewis, tu vois, il y en a un qui arrive et tout. La télécommande, t'as la télécommande. Fais gaffe, parce que j'étais fan de Parker Lewis, donc fais attention à ce que tu vas dire. J'adorais sur France 3, Parker Lewis ne perd jamais, synchronisez vos montres. Et le truc, c'est que là, c'est pareil. T'as le gars au lycée qui arrive, de temps en temps, il balance 2-3 vannes et il revient plus pendant 2-3 épisodes. Et toi, tu penses que c'est pas story, mais ça va pas, non, t'es un malade, toi. Ouais, on va voir les résultats sur le chat. On nous dit pourquoi pas Cagliari aussi, qui est cinquième de Serie A. C'est vrai qu'elle a gagné un peu d'Atalanta aujourd'hui. On va attendre un peu. On verra si ce sera une bonne surprise ou si c'est juste un épiphénomène. Mais la Roma, ils sont combien? La Roma, ils sont troisième là. La Roma, on va le voir dans le classement. Juste avant, je vais te montrer les résultats. Je devais l'envoyer directement. Donc, tu vois, on voit les résultats juste avant. Les matchs du jour avec la défaite de l'Atalanta à Cagliari. C'était le match de midi. On a eu la victoire. Grosse victoire du Genoa. Grosse victoire d'Udinese sur la pelouse du Genoa. C'est safe. Sur la pelouse du Genoa, 3 buts à 1. Le match a eu lieu entre Parme et la Fio. Et ce soir, première victoire de la Lazio à San Siro depuis 1989. Et ouais, ça faisait à l'époque avec Arrigo Sacchi. On va voir le classement de cette Serie A. La Roma. Et la Roma est troisième. La Roma est troisième. Il veut nous l'écarter, le Mokolo. Il veut nous l'écarter. La Roma est troisième avec 6 points de retard sur l'Inter et 7 sur l'Inter. Pour être honnête, on en parle. J'ai beaucoup d'affection pour cette équipe, mais vu le nombre de blessés, je me dis à un moment donné, ça va. On ne prédit pas l'avenir comme tu le dis. Non, mais les gars, ils tournent un blessé chaque semaine. Malheureusement, on verra. À moins que Dzeko, tu vois, on le mette dans le formol et il ressort juste pour les matchs. Bah, pour après, troisième, tu les respectes. Après, il faut que ça se trouve, il y aura un match là assez conséquent pour pas être distancé. Exactement. Tu vois, c'est pas comme la Ligue 1 où on va avoir des trois points d'écart entre le deuxième et le 18e. Arrête, Romain, t'es animateur. Mais ça, c'est tu fais ça en faux sport? Une passe D. Tu fais ça en faux sport ou pas? Non, parce que je donne juste les résultats. c'est une passe D. Fais la même chose. Je crois que j'ai fait une remarque sur un faux sport là-dessus, il n'y a pas longtemps. Ah, tu vas recevoir un mail. Juste avant de passer à la Ligue 1, pour vous dire qu'on ne parlera pas du choix du Bayern ou de Kovac de se séparer ce soir. On en a déjà bien parlé hier. Avec la défaite contre Francfort. Ouais. Donc vous pouvez voir notre débrief du match contre Francfort. Et puis on va attendre le nom du successeur peut-être. Ça, parce pour vraiment se pencher on en parlait avec le rédacteur en chef. À chaque fois on fait des spéciales départs des gros coachs. Ouais. Et à chaque fois, on met des shortlists de 4 noms et jamais on a le bon. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que quand ils vont annoncer le bon entraîneur. On a quand même débattu du départ de Stéphane la dernière fois. On était chaud. Il me semble qu'il est toujours là. Moi, ce que j'avais adoré, c'était qu'on avait fait une shortlist. On avait demandé de Lyon. À Lyon. À Lyon, on avait demandé à tout le monde de mettre. Il y avait 15 noms, il n'y a pas Rudy Garcia dedans. C'est ça. On passe à la Ligue 1. On avait un top match ce soir. Ah, l'affiche de cette 12e journée, elle était bien. Victoire, Fleuve, 1-0 de Saint-Etienne face à Monaco. On va voir les stats de ce match avant de parler de Saint-Etienne. On va voir les stats avec le but de Denis Bouanga grâce à une intervention extraordinaire de Jemerson avant que Bouanga ne marque dans le but vide. Samy, c'était une première période assez terne et puis finalement c'est les erreurs individuelles qui ont pénalisé Monaco face à un Saint-Etienne qui était bien regroupé et qui était assez solide du moins défensivement. Oui, mais là ça me fait plaisir qu'on parle football. il attaque la Ligue 1, donc on le laisse et on peut pas la défendre. Mais on va pouvoir parler. Désolé, à un moment donné moi je te défends et après tu vas mais vous êtes trop tolérant avec cette attaque, c'est pas bien. C'est pas bien. Et là toi tu fais pire. Mais non, mais il va quand même, et le pire c'est qu'il va quand même vibrer avec cette bonne vieille Ligue 1. C'est ça. Fais-nous ton débrief de match. Tu as raison sur le fait que moi je trouve. Donc tout ça pour dire qu'il a raison. Je trouve que Monaco a fait une très belle entame. On en parlait avec notre ami rédac chef Monsieur Le Breton qui est un fan invétéré de Monaco, qui trouvait qu'il n'avait pas vu jouer
Monaco de la sorte depuis de très longs matchs. Et c'est vrai que je trouvais que dans le jeu, il y avait du mieux pour Monaco. Il y avait une certaine domination territoriale. Il y a eu quand même pas mal de possibilités. Maintenant, Saint-Etienne, on ne peut que louer leur pragmatisme. Et je pense que c'est aussi... Enfin, même, voilà, il ne faut pas se voler la face. C'est clairement la patte Puel. Je crois que c'est 4 matchs, 4 victoires. Donc, c'est 12 points sur les 4 derniers matchs. Quand on compare à printemps, je crois que c'était 8 points sur les 8 derniers matchs. Donc, vraiment, là, on se rend compte de l'impact de l'arrivée de Puel. On en avait parlé ici lors de son arrivée. On savait qu'au début, Puel, ça n'allait pas forcément être très joli. C'est un entraîneur qui va d'abord droit au but. Si coach Saint-Etienne, mais c'est un entraîneur qui va avant de mettre sa patte, va d'abord chercher à obtenir des résultats et à stabiliser son équipe, et c'est ce qu'il est en train de très bien faire avec Saint-Etienne, puisqu'il me semble qu'ils sont quoi, ils sont cinquième maintenant. Ah bah tu sais, tu fais 2 victoires et puis ils sont au podium. Bref, là c'était pas ce que je voulais voir, mais voilà, c'est ils sont cinquième effectivement. Ils sont à un point du podium. Je pense qu'il va falloir attendre pour voir du beau jeu du côté du Chaudron. Pour les fans stéphanois, mais pour ce qui est des résultats et de la manière, il y a pas grand chose à redire, honnêtement, même si parce que t'as fini. Je vais vous montrer la composition de Saint-Etienne, parce que c'est vrai que on n'est pas dans la recherche de beaux jeux à tout prix, mais il y avait un système qui a été plutôt solide. Alors il n'y a pas d'attaquant de pointe, c'est Amouma qui jouait dans son rôle de faux numéro 9. Il y a un milieu Zaidou Youssouf, or Kabaye après est sorti au profit de Daoulou. T'as senti ça aussi, une idée de maîtrise d'abord du match, et puis après on essaye de voir plus tard, on verra comment. On a fait le débrief justement avec Samy le soir d'Alexandria, où Puel avait tenté un passage à 4 avec plus de velléité offensive. Il n'en avait rien été, ça avait été laborieux. On s'était dit qu'il allait repasser sur un format à 3 défenseurs qui te permet de sécuriser l'axe. Et on a vu ce soir, ça a été performant. Et c'est d'autant plus performant que tu as des choix qui ont été payants. C'est la prime à la jeunesse, Saliba, Fofana, Youssouf, qui ont été encore très intéressants. On parlera peut-être de Saliba tout à l'heure, mais Youssouf encore dans sa capacité à tenir le ballon, dans sa capacité à gratter, dans sa capacité à obtenir des fautes, il a encore été précieux. Et en attaque, t'as Bonga qui a été vraiment l'élément moteur. Donc Saint-Etienne est dans une forme de continuité, c'est bien. C'est la deuxième victoire à domicile cette saison après Lyon. Donc ça tend à s'étirer sur la durée, mais ça demande confirmation parce que encore une fois, ils sont tombés sur un adversaire. Moi, je veux bien, Antoine et vous parler, mais vous faites grand cas d'une performance qui a été vraiment terrible. On parlera par la suite. Pour moi, c'est très positif. On parlera par la suite de l'AS Monaco, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Moi, je vais peut-être être à contre-courant de Samy et d'Elton. Là, ça va être dur. Bah, t'as deux courants, là. sur Saint-Etienne, en tout cas. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, et globalement, sur les choix de Claude Puel, j'ai trouvé ça quand même très 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 terne. Tu parlais de... Et la même chose pour Monaco en deuxième mi-temps, on en parlera, mais cette défense à 5, jouer de... C'était un système un peu, sur la première mi-temps, un peu bizarre. Ouais, ouais. Cette défense à 5, plus ne jouer sans numéro 9, où à un moment tu l'as pas trouvé, avec Boudbouz qui était sur un côté, et un double pivot, Kaba Youssouf qui était pris à chaque fois entre les lignes, parce que heureusement que Slimani n'était pas là ce soir côté monégasque, et qui n'ont pas réussi à profiter, parce que j'étais très très déçu de l'apport de Keïta Baldé, notamment entre les lignes pour servir Ben Yedder, mais t'as quand même 2-3 grosses occasions. Par rapport à la pression de Saint-Etienne où vous avez trouvé que c'était plutôt solide, plutôt. Bah si, tu me dis que Youssouf il a été très très bon. Moi je trouve que c'était solide mais moche. C'était solide mais moche. Donc ah d'accord, ok. J'ai du mal à comprendre ton avis, mais je sais pas. Tu me dis que le choix d'être à 5, c'était un bon choix par rapport à Alexandria. C'est ce que j'entends. Oui, votre honneur. Et ben moi, je trouve que sur les 30 premières minutes, le déclencheur de la victoire de Saint-Etienne, c'est la blessure de Kabaye, la rentrée d'Aoulou, ce qui a permis à Boudbouz de revenir un peu plus dans l'axe et de participer au jeu. Mais les 30 premières minutes, elles sont pas bonnes du tout de la part de Saint-Etienne. Mm-hmm. Et moi, j'ai trouvé que le choix de départ de Claude Puel de jouer sans véritable numéro 9 et jouer à 5 comme ça, à la maison, et d'attendre avec un bloc très très bas Monaco, je trouve que l'idée de départ, elle est mauvaise. Mais après, c'est bien ce que tu as dit, non Samy. Oui, il y a quand même 2-3 adaptations, mais ce que je veux dire par là, c'est que
ça s'inscrit dans ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi, je vois. Mais de toute façon, ça rejoint ce que je dis depuis qu'il est arrivé. Puis elle, moi, j'adore le coach. J'ai milité pour qu'il arrive à Saint-Etienne. Tu voulais qu'il remplace Didier Deschamps aussi? Non, pas du tout. Juste un printemps. Mais aujourd'hui. J'ai dit, soyons sérieux, c'est tout. C'est-à-dire, pas sûr, par rapport à quoi? Remplacer Didier. Non, mais. Et donc, personne ne remplace Didier, c'est ça? Et donc, depuis son arrivée, tu regardes le match contre Lyon, c'est un braquage. Tu regardes le match contre Bordeaux, c'est un braquage. Mais... Tu regardes le match contre Amiens, tu égalises à la dernière minute, mais le 2 partout, il est très, très, très chanceux. C'est entièrement ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, en fait. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, c'était ce que je te disais. C'était qu'aujourd'hui. Moi, je suis pas convaincu. Mais on est d'accord, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais je parlais pas. Il veut pas d'accord. Non, mais j'étais à contre-courant avec ce que disait avec Elton. Non, mais sur la compo de départ avec le choix de jouer à 5 derrière et de parce qu'aujourd'hui Puel n'a pas eu le temps de travailler avec ce groupe. On l'a vu aussi, il fait des choix d'hommes. Je pense que il faut laisser un petit peu de temps pour qu'il puisse prendre ses marques. À un moment donné, quand tu es dans le rush, là Puel il est arrivé, il avait son il a une trêve et ça fait un mois et demi. Oui, mais il avait son derby, t'es pas forcément t'es pas familier avec ton vestiaire. Je pense que sincèrement il pose des bases, il pose d'abord un bloc solide, il pose d'abord des fondations. Voilà, plutôt que de créer tout de suite un collectif. Moi, je comprends parfaitement le fait que Puel aujourd'hui ne cherche pas à faire du jeu, mais cherche à obtenir des résultats. C'est juste ça ce que je te dis. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est assez frileux, surtout à domicile. Maintenant, les performances de Saint-Etienne ne peuvent que lui donner raison aujourd'hui. Non, mais et je pense que sa stratégie est de on va calmer les choses, on va remonter tranquillement au classement. Mais ça, j'ai compris. On solidifie cette équipe. Il peut compter sur un très bon Saliba, un très bon Fana, voilà, la carte jeune. Enfin, un très bon Fana, il peut prendre un rouge ce soir à un millimètre. Ouais, mais encore une fois, c'est relatif. Il ne le prend pas. Il ne le prend pas. Il ne le prend pas. Fofana, ça reste. Là où je vais aller dans le sens où je comprends ce que veut dire Walid, c'est que l'erreur de Fofana, c'est pas parce qu'il y a hors-jeu que ça enlève l'erreur. L'erreur, elle était là, il l'avait faite. Il savait pas qu'il y avait hors-jeu. Aujourd'hui, tu finis le match avec. Oui, non, mais. Et une défense qui a tenu bon quand même, oui, bien sûr, non, mais... sur l'entièreté du match. Donc voilà, je pense juste qu'aujourd'hui, Puel, ce qu'il recherche, c'est les 3 points, c'est stabiliser et rassurer son équipe, parce que Saint-Etienne, avant l'arrivée de Puel, c'était quand même assez catastrophique. Même certains joueurs, tu les perdais, et tu l'as très bien dit, Boudbouz, il se libère petit à petit, et je pense qu'il y a d'autres joueurs, voilà, tu as cité Boudbouz, il y a d'autres joueurs qui se libèrent avec ce schéma-là, parce que tu te sens quand même beaucoup plus rassuré. Alors justement, il y a une déclaration d'un des joueurs du match aujourd'hui, qui est le buteur Denis Bouanga, qui a parlé notamment de ce que Puel avait mis en place depuis qu'il était arrivé. On va voir la déclaration après le match de Denis Bouanga, notamment sur le fait que ça a redistribué un peu les cartes du côté de Saint-Etienne. C'est la récompense d'une équipe qui est soudée. Le nouveau coach a redistribué toutes les cartes, a remis les choses à plat. On est une autre équipe, on n'est plus celle du début de saison. Chaque joueur est différent. Aujourd'hui, il y a des choix. Mvila n'est pas là, Perrin n'est pas là, Cazeri n'est pas là. Vraisemblablement, ils ne sont pas blessés, ces joueurs-là. C'est des choix de Claude Puel. Est-ce que tu vois ça d'une manière positive, que tout le monde ait un peu sa chance du côté de Saint-Etienne? C'est pour ça que je ne comprends pas cette sévérité de l'honorable Wade. C'est qu'on a un Claude Puel qui est dans un cheminement qui est intéressant. Parce que, encore une fois, si on s'attarde sur le volet défensif de Saint-Etienne, avant Puel, on est quoi sur 16 buts encaissés en 9 matchs? Là, on peut constater que le nombre de buts a sérieusement baissé. Il y a plusieurs clean sheets. Et c'est consécutif à quoi? À une animation défensive qui commence à être cohérente. Je pense que c'est plutôt consécutif à un retour d'un crack qui, en défense centrale, te stabilise une défence. On parle juste après, c'est une autre vision. Par exemple, moi j'entends bien... Quand j'ai dit crack, il a souri. Non, mais par exemple, dans la presse, on parlait de Monaco, moi j'ai cru que c'était les Harlem Globetrotters qui devait arriver, c'est-à-dire qu'ils mettaient beaucoup de buts, moi j'ai vu que dalle. Donc, à un moment donné, je suis quand même obligé de me dire qu'il y a peut-être Saint-Etienne qui est pour quelque chose. C'est juste que... Je suis désolé, on a le temps de débattre. Vas-y, après on parle de Saliba. Sur ce que dit Denis Bouanga, il n'y a aucun problème. Ouais, en termes de management, pour rester dans le conducteur, en termes de management, Puel a
on l'avait dit déjà sur le match contre Lyon avec le Tammy Abraham Stéphanois là devant, comment il s'appelle, Abi, voilà, il avait mis Abi, il avait mis Kazri, il lui a envoyé aussi une petite pique à Kazri en conférence de presse en disant que ce serait bien qu'il court sur le terrain, etc. Je trouve que sur ce côté-là, il y a aucun problème. Maintenant, dans le contenu, que ce soit dans l'animation défensive et dans l'animation offensive, je veux bien vous entendre sur le contexte, sur le fait de remettre les bases. Je suis peut-être sévère, mais on parle quand même d'une équipe qui a encore une semaine, ce match-là, on l'a vu contre Amiens, contre Mendoza, contre Kakuta, contre Guirassy, tu vois la deuxième mi-temps, défensivement, même à 5, tu prends le bouillon à Geoffroy Guichard. C'est la même équipe, Elton. Oui, mais ça, on d'accord. est d'accord, mais on parle d'une équipe convalescente, on parle pas d'une équipe aboutie, d'accord. Ça, on est tous d'accord. Mais je te dis juste que sur la... Si tu mets bout à bout le match contre Alexandria, le match contre Amiens, et même le match ce soir, où en première mi-temps, sur les 30 premières minutes, t'as quand même 2-3 spots pour Ben Yedder qui loupe l'occasion. Monaco, ce soir, un tir dans la surface, c'est Golovin. D'accord, ok, mais t'as quand même un gros arrêt de Ruffier. T'as Ben Yedder qui loupe deux fois le cadre au 20 mètres. Si ce genre de situation-là ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Moi, je dis juste que la question du soir, c'était est-ce que c'est une victoire convaincante pour Saint-Etienne ? Moi, je réponds non. Je dis que les résultats sont là. Et bravo à Puel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je peux abonder dans le sens de Samy. Par contre, ça ne va pas durer très, très longtemps, cette histoire. C'est-à-dire que gagner à la 90e contre Lyon, de cette façon, gagner à la 90e contre Bordeaux sur un pénalty assez généreux, quand t'as pris le bouillon au Matmut, ça va pas durer longtemps. La même chose contre Amiens où tu perds 2-1 et que t'égalises à la dernière minute, ça commence un peu à faire beaucoup. Je dis juste ça et je réponds. Là, tu voulais faire d'une bête blessée non, directement pas du tout. Une maîtrise. Pas du tout. Parce que tout à l'heure on parlait du Milan avec la vision version Milan des choses qu'on pouvait voir, des choses qui étaient intéressantes. On peut aussi avoir la bien même, sûr. Non, même chose avec Saint-Etienne. Il y a aucun souci. Je dis juste que la victoire convaincante, même je peux te dire les victoires convaincantes, je n'en vois aucune depuis que Puel est arrivé. On a critiqué sur le contenu. Bah, c'est juste mon avis. Je dois répondre à une question, sinon je dis... Mais oui, le redressement, il est convaincant. Ah, mais sur les résultats, il n'y a aucun problème, je l'ai dit. Il y a un cheminement qui est quand même assez positif depuis l'arrivée de Puel. En termes de résultats, oui. Et donc, en termes d'animation aussi. Ça, c'est factuel. Bah, ça, je suis un peu plus nuancé, moi. Mais juste, tu penses que les attentes étaient sur le contenu ou sur les résultats au moment où Puel a pris Saint-Etienne ? Sur les résultats. Donc là-dessus, il aurait rempli sa mission. Bah oui. Juste pour revenir sur... Mais c'est quoi la question que tu me poses ? C'est victoire convaincante ? Oui, moi, c'est victoire convaincante. C'est ça le conducteur, victoire convaincante ou c'est résultat convaincante ? Moi, tu peux pas dissocier. Là, c'est sur les débuts de... Je sais pas, on est dans une émission, on essaie de ne pas dissocier le contenu à la victoire, et ce soir, on va... Ce qu'ils veulent te dire, c'est que l'urgence était les résultats, et à partir de ces résultats, il va pouvoir tabler pour essayer de faire progresser avec... Mais dans le fond, je pense que vous avez la même observation. Moi, j'avais un GPS, lui, il n'a pas de GPS, du coup, il va venir. J'aimerais qu'on parle de William Saliba. Il est bien aujourd'hui. Boyard, ça t'a pas vu la capsule sur Fort Boyard ? Si, bien sûr, elle a tourné. Je l'ai pas laqué parce que je voulais pas trop le saucer, mais je l'ai vu bien sûr. Non, mais d'ailleurs, ils en pensent quoi, les socios ? Parce que ça, c'est une question. Ils sont plutôt d'accord avec vous. Ah, mais d'accord avec qui ? Non, je vous avoue, sur les socios, c'est comme le dit très bien Mathieu Zalem, ça dort un peu. C'est un peu en mode Ligue 1. C'est comme l'animation. Et donc lui, il a le droit comme ça, gratuit. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je ne fais que répéter. Hein. On entend très rarement mon avis. Non, mais après, là où je peux. Juste parce que j'aimerais quand même passer à William Saliba, parce que vous êtes globalement d'accord et que vous dites la même chose, mais de manière différente. William Saliba, aujourd'hui, il est déterminant dans la victoire de Saint-Etienne. Il a bien contenu le meilleur buteur de Ligue 1, qui est Wissam Ben Yedder. Pour aller dans. Un petit peu dans le prolongement, mais de ce qu'on a dit là, et pour s'attarder sur lui, les bonnes performances, les buts, moins de buts encaissés par Saint-Etienne coïncident aussi avec son retour. Est-ce que tu penses que c'est plus dû uniquement au saut qualitatif de la défense de Saint-Etienne avec William Saliba ou plus globalement de l'animation de Puel ? Là où je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un crack, pourquoi je souris parce que je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que c'est un crack, pas parce qu'il est français, mais c'est un joueur qui me semble rempli de talent. Je pense qu'il a du ballon, mais il a aussi surtout pour moi un physique assez hors norme. Il est très athlétique, c'est un joueur qui pour ce poste, enfin il est taillé pour ce poste de défenseur central. Donc oui, forcément, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que l'apport de Saliba a forcément fait du bien à cette défense stéphanoise.
Lyonnaise, mais il faut dire que c'est quand même plus simple d'évoluer à 3 défenseurs que sur une défense à 4. Donc je pense que le système de Puel y est aussi pour quelque chose. Je pense que c'est une combinaison des deux qui a fait que Saint-Etienne s'est rassuré défensivement. Après, sur la fin de saison l'année dernière, il a montré avec Gasset, même à 4, il était quand même. Oui, bien sûr, mais c'est quand même plus facile. D'accord. Enfin, c'est quand même, oui, bien sûr. C'est quand même plus facile de. Il est mis dans de meilleures conditions comme ça. Encore, et je pense que c'est aussi dans l'idée de Puel aussi. Il revenait de blessure, il vient d'être transféré. Il y a aussi une pression qui s'ajoute maintenant sur lui. Son nom est vraiment souvent prononcé outre-Manche, où les médias s'enflamment un peu parce que par rapport à son prix, parce que c'est un joueur inconnu de la Ligue de la défense nationale cette saison. Donc. Mais je pense aussi qu'il y a ça qui joue, et c'est un joueur que tu as besoin de rassurer. Et Puel, il est parfait dans ce coaching, puisque c'est un joueur qui aime beaucoup les jeunes. Je pense que cette association peut faire énormément de bien à Saint-Etienne, et ce sera le ticket parfait, en tout cas pour ce qui est de la stabilisation de la défense. Pour moi, ce ticket-là, Puel et Saliba, ce sera quelque chose qui marchera jusqu'à la fin de saison. Mais après, juste oui, un mot, le seul problème, c'est que malheureusement, tu ne peux pas construire sur ça, puisque le joueur part par ses donc c'est un petit peu on va rappeler, il a été vendu 30 millions à Arsenal. 35, c'était Liao, on avait regardé tout à l'heure. 30 millions à Arsenal, prêté dans la foulée pour une saison à Saint-Etienne. Alors c'est pas sa première grosse performance à Saliba, mais c'est peut-être celle qui est la plus significative de sa jeune carrière, avec Wissam Ben Yedder en face de lui, une pression assumée comme le disait Samy. S'il continue ses performances, des performances comme celle-là, ils vont regretter d'avoir vendu que 30 millions Saint-Etienne. Oui, j'en parlais sur les réseaux. C'est vrai que a posteriori, ils auraient pu attendre peut-être 6 mois et ils seraient partis à beaucoup plus. Mais encore une fois, ça reste une très bonne performance de Saliba, et c'est pour ça que moi je nuance un peu, parce que tu as quand même une animation défensive qui épouse ses qualités, c'est-à-dire qu'il est dans le rôle central de la défense à 3. On sait que Kolodziejczak et Fofana sont dans des rôles de starter, c'est-à-dire qu'ils vont aller attaquer la ligne d'attaque, alors que Saliba il est plus en retrait, et lui, par sa capacité à couvrir énormément d'espace, il peut être le final cut qui va reprendre tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur Ben Yedder, que lorsqu'il arrive lancé, Saliba, la course, il va le manger. Donc c'est pour ça que dans cette défense à 3, dans ce rôle central, il est très intéressant. Mais il a quand même, parce que tu dis, c'est pas excellent, mais il a quand même été confronté à plusieurs sortes de profils en attaque sur un seul match, et il a répondu présent à chaque fois, parce que Augustin, Baldé c'est quand même beaucoup Benyeder. De profondeur. Oui, enfin après... Les profils de joueurs sont différents, même si c'est profondeur, c'est... Ouais, c'est quand même des profils différents. Puis les morphotypes sont différents aussi. T'as quand même plus de vélocité avec Augustin, t'as quand même plus de technicité et de ballon au sol avec Benyeder. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une performance quand même assez notable. Ouais. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, depuis qu'il est revenu, c'est le match contre Nîmes, le dernier de printemps. Depuis, ça coïncide avec les gros résultats de Saint-Etienne. Il est arrivé, Saint-Etienne a encaissé 4 buts en 6 matchs. C'est ça, et t'as ce match contre Lyon déjà, où il avait été énorme, que ce soit avec Depay ou Aouar, et même Dembélé quand il est rentré sur les 20 dernières minutes. Mais sur ce type d'attaquant-là, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour Saliba, parce que Samy l'a dit, c'est un très très beau bébé. Et ce soir, c'était pour moi un vrai test pour lui, parce qu'il avait un joueur en face qui vient du futsal, qui a un centre de gravité très très bas, et c'est ce type d'attaquant qui peut faire mal à ce genre de colosse, et il a été impressionnant. Et moi je le suis depuis 4-5 matchs attentivement, en essayant de faire des cas isolés sur lui, que ce soit contre Bordeaux, que ce soit contre Lyon, et même ce soir. Et je trouve qu'il est d'une sérénité, je trouve qu'il est il a un sens de l'anticipation, même dans la relance il a vraiment des grosses qualités. Et quand on c'est quand même son, enfin s'il y a un point à travailler plus, c'est quand même la relance. Oui, bien sûr, mais je trouve qu'encore une fois il a une grosse marge de progression, et que c'est pas dégueu, c'est-à-dire la première intention c'est pas de dégager, mais de jouer soit sur le latéral ou soit sur le numéro 6 de façon propre. Et si je dois le comparer un peu à nos cracks français dont on a souvent parlé, notamment à Leipzig, que ce soit Konaté ou Pamecano, je le trouve vraiment beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus complet. Non mais dans sa palette, et attention, Saliba on le découvre pas sur le début de saison. L'année dernière déjà, sur les 6 derniers mois, il est titulaire, il prend pas beaucoup de cartons jaunes, il est très très propre, et il avait aidé Gasset à se rapprocher de la Ligue des Champions à un moment donné. Donc c'est pas comme s'il venait d'arriver. Quand on dit bon, on s'enflamme pas, il a 18 ans, Perrin il est sur le déclin, il est quand même leader d'une défense qui joue le top 5 en Ligue 1. C'est plutôt satisfaisant. Samy, quand on pense à un beau bébé qui vient de Saint-Etienne, qui va s'exporter jeune en Angleterre, on pense forcément à Kurt Zouma, qui a aussi
quelques difficultés à la relance, un peu comme William Saliba. Tu penses qu'il y a une marge de progression supérieure pour Saliba par rapport à Après, à après le problème avec Zuma, on le sait tous, il a été très gravement touché par une blessure. Je pense que ça a freiné sa progression. Beaucoup freiné sa progression. Et même, sur une pente ascendante. Ouais, et même, voilà, et peut-être même limité, parce que je pense qu'une blessure te limite même après dans ta progression. Tu ne peux plus atteindre le niveau que tu aurais dû atteindre. Donc, je pense que ce sont deux cas différents. Mais oui, la comparaison est très juste. En plus, tu nous l'avais caché, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué en off. Et moi, il me fait plus penser à Varane que Zuma, personnellement. Oui, sur l'impact physique, ouais. Quand même, quand tu le vois, quand il arrive sur le joueur, il est quand même. Moi, il est quand même un dur au mal, il est beaucoup plus longiligne que Zuma, et je trouve que. Parce qu'il est plus grand. Bien sûr, et je trouve qu'il a quand même un sens de l'anticipation et une intelligence de jeu supérieure à Zuma. Après, encore une fois. Après, balle au pied, Varane a toujours été un peu supérieur. On l'appelait monsieur propre, il jouait le numéro 6 à Alain. Parce qu'en termes de facilité, balle au pied et d'élégance, et c'est là où je te dis dans la relance, je pense qu'il y a une progression. Oui, bien sûr. C'est quand même assez. Enfin, moi, je trouve que ça saute aux yeux. Je pense que c'est quelque chose encore qu'il a. Enfin, c'est là où il y a un gap même par rapport au très très haut niveau, sur la relance sur le niveau technique en tant que défenseur. Pour moi, il y a encore quand même. Oui, bien sûr. Sur les derniers matchs, je l'ai vu faire des conduites de balle pour essayer de casser la première ligne, de faire des conductions, etc. C'est des choses que je ne le voyais pas faire l'année dernière. Et c'est un joueur qui a 18 ans. Après, tout dépendra de l'entourage, tout dépendra de la tête, tout dépendra des blessures, comme l'a dit Samy. Tout dépendra aussi du mental. On le voit avec Pepe, avec Arsenal, même si c'est un poste offensif, il commence à prendre un peu plus sa chance et de responsabilité au fil. Effectivement, j'ai des œufs brouillés à 9h du mat, ça vous change un homme. Au fil du temps, tu parles d'Ousmane Dembélé. Au fil du temps, je parlais les petits déjeuners anglais. Des pratiques quelque peu bizarres, mais ça c'est Quelque chose. Mais c'est très bon les débrouillés. Moi, personnellement, quand je vais là-bas, je suis en pleine analyse. Il me parle de. C'est super bon. Tu n'as pas les petits déjeuners automatiques, t'aimes pas ça, toi ? Non, pas du tout. C'est très bon les petits déjeuners, moi j'adore ça. C'est pas bon. On peut continuer. C'est bon. Je pense que je pourrais pas rebondir. Pour les œufs brouillés, je pourrais pas rebondir. En tout cas, William Saliba, depuis qu'il est revenu, c'est 4 victoires et 3 matchs nuls pour Saint-Etienne. Pas de défaite. Saint-Etienne qui est invaincu avec William Saliba en défense depuis le début de la saison. On va passer à la dernière partie de cette émission sur l'AS Monaco. L'AS Monaco donc, qui s'incline aujourd'hui. On a mis le poids des absents. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'absents dans la composition de Leonardo Jardim. On va voir tout de suite les joueurs qu'il avait alignés aujourd'hui. Il manque Tchemwe Bakayoko au milieu de terrain. C'est Benjamin Henrich qui vient alors que c'est pas forcément son poste de base. Ouais. Il manque Islam Slimani, on en parlera devant, c'est une absence de poids et ça s'est vu. Il manque cette Fabregas, ce qui fait que Adrien Silva, au lieu d'avoir une ligne de 4 et un milieu offensif, tu te retrouves avec une ligne de 4 mais un joueur en dessous avec Adrien Silva. Monaco a trouvé son schéma de jeu avec ses titulaires types qui fondent un système qui marche bien. Et dès qu'il y en a qui manque, ça devient trop compliqué. Ouais, moi je mettrais plus Slimani et Bakayoko parce que c'était quand même deux joueurs qui étaient hyper importants dans l'équilibre de Monaco, que ça soit dans l'animation offensive ou même dans l'équilibre défensif. Bakayoko, on l'a beaucoup critiqué à Chelsea ou au Milan AC, mais il était quand même sur une belle dynamique depuis le match contre Reims. Et même au Milan l'année dernière, il fait une bonne saison. Une bonne deuxième partie de saison. Mais il commence à être embêté. Et autant Fabregas avait perdu sa place au fil des rencontres sur la dynamique récente, autant Slimani et Bakayoko étaient vraiment des joueurs très très importants et qui faisaient beaucoup de bien. Et aujourd'hui, Monaco, on s'aperçoit que l'équilibre il est quand même assez fragile. Oui, c'est-à-dire que ils ont fait un bon match contre Nantes et je dirais même une belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus poussive. Et heureusement que le compte comment il s'appelle le numéro 7 de Nantes, j'ai un trou. Moses. Pas Bakayoko, Koulibaly. Koulibaly. Pardon, merci. Koulibaly. Le mec est nantais, il me dit Moses. Mais tu sais, il est tout, lui. Ouais. Franchement, Samy, tu m'as déçu. Je suis nantais d'origine, mais tu m'as déçu. Koulibaly qui a raté 2-3 occasions sur le compte, donc l'équilibre était quand même défensif, était un peu précaire, et on se rend compte que aujourd'hui, la première mi-temps, les 30 premières minutes étaient plutôt intéressantes, où entre les lignes, ils trouvaient Golovin, même Gilles Diaz qui pouvait combiner. Il y a Ben Yedder qui s'est mis en situation de tir deux ou trois fois. À la mi-temps, tu ressors de cette mi-temps, tu te dis Monaco, ils ont gagné au point et ils ont montré plus de choses que Saint-Etienne. Mais la deuxième mi-temps, il ne se passe rien, ils ont éteint la lumière.
C'est-à-dire que Glick et Jemerson, ils ont recommencé leur spectacle itinérant. Voilà, exactement. Donc forcément, c'est plus compliqué. C'est ça. C'est un peu compliqué. Et à un moment donné, au milieu de terrain, on a eu énormément d'espace. Boudbouze entre les lignes, on l'a beaucoup trop vu au fil de la rencontre. On a Bouanga aussi, même si, et déjà en première mi-temps, ça a été le cas avec ce petit enroulé qui passe au-dessus de la cage de Lecomte. Entre les lignes, les Stéphanois se sont régalés. Et surtout, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse de la part de Monaco. On n'a pas eu de réponse de la part de Jardim aussi sur ses choix. C'est-à-dire que tactiquement, tu peux pas nier le. Ah oui, il a fait Augustin pour Keita Baldé. Et puis ça a changé quand même quelque chose. Augustin, on avait que lui. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'ajustement tactique, il n'y a pas eu de changement de système. Par rapport à la réponse de Puel, qui je ne sais pas si elle est voulue parce que Kabaï se blesse, le fait de mettre Boudbouze entre les lignes, etc., à aucun moment j'ai senti que de la 40. Parce que Augustin, il rentre à 1-0, on est bien d'accord. Ouais. Donc t'es encore une fois passif. Alors que de la 45e jusqu'à l'ouverture du score de Bouanga, tu vois déjà que il y a un inversement des choses dans le contenu et un regain de forme de la part de Saint-Étienne et Jardim, j'ai trouvé quand même assez attentiste. Mais il y a un truc, le débat c'est il y a des absents, oui. Et on va reprocher à Jardim de ne pas avoir réussi à s'adapter alors qu'il était déjà très limité. On le voit sur le 11, que le 11 proposé était un 11 un peu bricolé. Tu lances en intro que Heinrich ne joue pas à son poste, c'est que forcément tu regardes sur le banc, il y avait peu d'alternatives. Mais moi je parle pas de changement d'homme, de changement de tactique, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est pareil, mais c'est quand même difficile de s'adapter tactiquement Tu peux le faire autrement, parce que il y a ce schéma a marché avec les joueurs adéquats, mais si les joueurs ne sont pas là, tu peux aussi changer de schéma pour mettre un 4-4-2 avec Martinez un peu plus haut, tu peux mettre Benítez Augustin. T'es pas forcé d'avoir trois milieux centraux. Surtout quand tu vois qu'au milieu de terrain, tu prends quand même un sacré bouillon en début de deuxième période. Mais c'est au milieu de terrain justement où t'as les plus grosses absences. Enfin, quand t'as Fabregas et Bakayoko. Enfin, après moi je veux juste, je suis bien d'accord, mais le milieu de terrain prend le bouillon. Moi je veux tu mets qui? Tu peux encore une fois passer en 4-4-2 avec Golovin, Adrien Silva sur la fin de match, hein, je parle bien entendu, ou même un peu avant le but, changer quelque chose. J'ai trouvé moi très attentiste en faisant du poste pour poste à 1-0 quand tu perds le match. Mais ton milieu prend le bouillon, t'as aucune rechange sur le banc et tu veux rajouter de l'offensif en fin de match. Tu perds 1-0, Samy, à un moment donné, je suis désolé, mais un petit peu avant ou un petit peu après, tu laisses ton 5-3-2 avec Gildias et Jelson Martins en piston qui t'apporte rien sur le début de deuxième mi-temps. Moi, encore une fois, je suis pas entraîneur, c'est pas à moi de trouver les solutions d'un effectif que je ne connais pas, mais j'ai trouvé quand même un entraîneur qui a perdu sa bataille tactique sur la deuxième mi-temps. Et Jardim, je veux bien qu'il y ait des absents, mais tu peux faire autre chose c'est pas normal quand je vois Amiens ce qu'ils ont réalisé la semaine dernière en créant du danger côté Saint-Etienne. Ce soir, la deuxième mi-temps de Saint-Etienne de Monaco, elle est pas bonne du tout. Tu peux l'imputer aux joueurs, tu peux l'imputer aux absents, mais tu peux aussi incriminer un minimum Jardim sur ses choix. Avant de repasser sur les absents, on parlera de l'absence de Slimani qui est bien plus préjudiciable qu'on ne pouvait l'imaginer en début de saison. Tu penses aussi qu'il aurait pu faire autre chose, Elton, sur ce match-là, qu'il aurait pu. Il a changé un peu de système hein, quand il sort Badiachil, qui met Balotouré. Il repasse un peu à 4, mais c'est sur la toute fin du match. Tu penses aussi qu'il y avait autre chose à faire plus tôt, peut-être? C'est ça exactement. Il est partie prenante de cette défaite dans la mesure où il n'y a pas de fatalisme au fait que, à partir du moment où tu as des absences, c'est des aléas de la vie d'une équipe et tu dois composer en fonction de ça. Jardim, il était au courant qu'il allait faire sans Slimani, sans Bakayoko. C'est pas pour autant. Il a gagné contre l'OM sans ces mecs-là cette semaine. Oui, même si dans une bis. Il a quand même gagné. Oui, je vois où tu veux en venir. Donc, à un moment donné, Saint-Etienne, on en parlait, face à Amiens, ils sont passés par 10 séquences où c'était compliqué. Donc, tu peux pas arriver en ayant une attitude, entre guillemets, modeste, alors que tu es sur une dynamique. On parle d'une équipe qui a 5 victoires en 6 matchs sur les 6 derniers matchs. Donc, ça démontre bien qu'il y avait quelque chose qui était fait. Et le problème de Monaco, c'est que ça reste une équipe convalescente. Dès qu'il y a le moindre grain, c'est une équipe qui est incapable de réagir. Et puis c'est pas comme si toute la saison, il n'allait pas avoir ce genre de problème où il va avoir des absents, des suspendus, des blessures. Il doit aussi s'adapter. Ouais, les 10 dernières minutes, Ben Yedder, il joue milieu relayeur. Même avant. On parle de ça, là. Samy. Oui, non, je vous rejoins sur le manque de réactivité par rapport à d'autres choix tactiques qu'il aurait pu élaborer, mais il est aussi, enfin,
Oui, il est plombé par l'absence et il est plombé aussi par la méforme de d'autres joueurs qu'on aurait pu supposer plus présents. Mais ça va avec, Samy. Parce que quand tu vois l'expulsion d'Aguilar, pour moi, c'est aussi symptomatique de la méforme du joueur global. Il fait un grand début de saison, Ruben Aguilar. Ouais, c'est pas mal. Avec Monaco. Il fait un grand début de saison. Ouais, Aguilar, il fait un grand. Je dis ça d'une manière ironique. Je sais. Mais pour la Ligue 1, c'est un grand début de saison. Tu le vois, c'était pas drôle. Donc tu le vois, Jason Martin aussi, il n'a pas les mêmes standards que la piston. Non, mais oui, mais c'est une réalité aussi. Je veux bien, il y a des absents et il faut dire aussi que certains cadres ne répondent pas présents et limitent aussi sa possibilité de choix parce que l'effectif est quand même assez fourni à Monaco. Oui. On est d'accord. Oh non, mais si tu cumules, oui. Mais si tu cumules les absences plus les méformes de certains, je dis juste que ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Non, mais ça c'est la suite logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux bien t'entendre là-dessus et moi je partage ton avis. Quand tu as confiance à Baldé et qu'il te fait le match, très bien. Mais c'est un choix de Jardim de mettre Baldé à la place d'Augustin. Mais il le met à la base parce qu'on était d'accord. Il le met à la base parce que comment dire, c'est il respecte une certaine logique. Bien sûr, mais c'est sa logique. Donc c'est sa logique. C'était la tienne aussi. On était d'accord. Non, mais quand on en parlait hors émission, tu me disais pourquoi Augustin ne joue pas. Je te dis parce que la logique de Jardim et sur sa logique de rentrée, il était plus convaincant. Maintenant, c'est Jardim qui le choisit. Jardim, il choisit de mettre Gil Dias piston alors que c'est pas un piston. Jardim choisit que Jelson Martins joue piston alors c'est pas un piston. Il choisit Kenrich. C'est un choix. Gil Dias en piston à gauche, c'est un choix. Car aussi, il y a mes formes énormes de d'accord, mais ouais, qui te coûtent des points, qui te coûtent des points. Donc à un moment donné, d'un entraîneur. Donc, voilà. Et encore plus, on doit avoir un curseur très élevé pour un gars qui a été nommé meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Donc c'est-à-dire que c'est compliqué de lui faire des reproches, de pas te trouver de solution quand aujourd'hui tu vois bien que tu n'en as pas individuellement. C'est tout. Mais Samy, il est une armée mexicaine en termes d'effectifs. À un moment donné, il a du choix. Il n'est pas sur un effectif rikiki comme l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est un comble, en fait, de dire que l'entraîneur... Le gars, il a la chocolaterie, il a tous les chocolats qu'il veut, mais non, il faut des réglisses. À un moment donné, je suis désolé. Là, il termine bien la semaine. Moi, j'étais sûr qu'après trois références cinématographiques, la dernière, elle serait forcément bonne. Exactement, parce que les deux premières, elles étaient un peu moyennes. Mais en fait, le comble pour un entraîneur, Samy... Moi, je suis d'accord avec toi, je suis pas forcément. Et je mets Maripane aussi, par exemple. Mais c'est un choix de pas le mettre. Je parle au niveau des méformes. Des méformes de jeu. Samy, je vais te répondre par rapport à ça. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs en méforme, il n'y a aucun souci là-dessus. Plus les absences, beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est un comble pour un entraîneur de se dire que tous les joueurs qu'il met à sa disposition, enfin tous les joueurs, je vais pas aller jusque-là, je vais pas caricaturer, mais on va dire 60-70% des joueurs, et notamment défensivement, sont pas bons. Mais c'est aussi au coach de faire progresser les joueurs ou pas, non. Ballon Touré vient d'arriver, mec, c'est une catastrophe. Ok, d'accord, je comprends pas. Ça fait un bon bout de temps. Sous Henry, c'était la même chose. Sous Jardim, c'était la même chose. Aguilar, mec, il était aux portes de l'équipe de France à un moment donné, dans un 3-5-2. C'est le système employé par Jardim. Le mec, il prend des rouges, il est pas bon du tout. Contre Rennes, il se fait manger un bouillon par Fetou Mawara. Donc ça, c'est la faute de Jardim. C'est à l'entraîne. Quand des joueurs ne sont pas bons, c'est forcément de la faute de l'entraîneur. Parce qu'au cas par cas, il n'y a aucune. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Bien sûr, mais c'est la faute de Jardim. Mais tu ne m'entends pas, Samy. Je dis juste que tu ne peux pas imputer. Que les joueurs. Tu peux pas imputer la responsabilité de l'entraîneur dans la méforme des joueurs. Quand il y en a un, quand il y en a deux, quand il y en a trois, quand il y en a quatre, ça commence un peu à faire beaucoup. Parce que toi, ton argument, c'est... Mais là, c'était le principe du débat. Toi, tu as accusé Jardim. Moi, j'accuse pas Jardim. Je dis juste que Jardim, ce soir, m'a déçu dans son approche tactique. Et toi, tu me réponds en me disant, oui, mais Walid, il a des absents, il a des suspendus, et il a des joueurs qui sont en méforme. Et je te réponds à cet argument-là. Pour moi, ce n'est pas un argument valable parce que un coach doit faire progresser ses joueurs. Tout simplement. Surtout vu la qualité de son effectif. Maripane, le mec, il est plutôt bon à la veste. Enfin, c'est pas Beckenbauer. Mais il est plutôt bon. Le mec, il arrive à Monaco.
C'est une catastrophe. Aguilar, il est plutôt bon à Montpellier sous des attaquants dans le même système. C'est une pipe à Monaco. À un moment donné. Changement de statut aussi. Bien sûr, le changement de statut, il est pas au Real Madrid, Aguilar. Montpellier, Monaco, le compte, le changement de statut, il est plutôt intéressant là pour l'instant, depuis 2-3 matchs, même si le début de saison a été compliqué. Mais donc, voilà, le changement de statut, c'est pas non plus. Montpellier-Monaco, il est pas au Real Madrid. C'est pas Lyon au Real Madrid. Par la pression populaire est pas très. Voilà, c'est pas le mec. D'accord. Donc vous êtes d'accord. Bah, Montpellier-Monaco, c'est. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas. Il y a pas un saut. Il y a pas un saut énorme. Pour un joueur. Non, mais pour un joueur dans ce cas, si pour moi, il y a un écart en Ligue 1. C'est pas Nicolas Pépé qui va Arsenal pour 80 millions d'euros. En Ligue 1, il y a un écart entre Montpellier, qui est un club très familial, et Monaco, qui est un club. Voilà, le club. Un club vraiment. Un gros. Grosse pression. C'est pas. Non, mais après, la pression n'est pas forcément que populaire. Il y a aussi le joueur qui peut se la mettre. Parce que en signant. Il y en a beaucoup qui se la mettent. Alors depuis le début de son signing. En signant dans un club comme Monaco, un joueur comme Aguilar, je présume, essaye de toucher d'autres choses. D'accord. Et vise d'autres choses, et je pense que ça peut jouer aussi sur ses performances. Après, si tu veux me dire que c'est pareil de jouer à Montpellier ou Monaco, qu'il n'y a pas tant d'écart, je pense que pour Aguilar, qui était un nobody avant de performer avec Montpellier, signer à Monaco et jouer avec des joueurs de l'équipe de France, des internationaux, et je pense que ça peut jouer sur ses performances. Après voilà, si juste, tu ne penses pas juste j'aimerais qu'on voit cette statistique, parce qu'on va revenir juste sur un absent, c'est Islam Slimani. J'aimerais qu'on voit cette statistique sur le rendement de l'AS Monaco avec et sans lui. Avec Slimani, on a 8 matchs, on a 4 victoires, on a 19 buts marqués. Super Slim. 2,4 buts par match. Sans Slimani, on a 4 matchs, 0 victoire, 0 but marqué par l'AS Saint-Etienne, par l'AS Monaco. Elton, c'est le key player, le facteur X. Monaco ne peut pas faire sans Slimani. Oui, mais ça démontre bien qu'il y a quelque chose d'irrationnel, parce que Slimani, c'est statistique. Ça défie tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il est limite à un but passé par match. Par match, donc ça peut pas durer. Ça démontre bien que ça met aussi en exergue le marasme collectif de Monaco, c'est-à-dire que Ben Yedder et Slimani, ils ont sauvé beaucoup de situations à Jardim et à Monaco par extension. Et donc là, on retombe dans une certaine normalité à partir du moment où tu as pu cette individualité au-dessus de la mêlée qui n'est pas là. Et c'est vrai que le profil de Slimani était intéressant dans la mesure où il est capable de garder le ballon, de faire que le bloc remonte le temps qu'il garde le ballon et de donner cette dernière passe qui est très importante pour Slimani. On disait tout à l'heure que les profils d'attaquants, quand on parlait de Saliba, étaient différents, que ce soit avec Ben Yedder, Augustin et Keita Baldé. Elton disait que eux sont des attaquants qui vont prendre la profondeur. Slimani n'est pas tout ça. Est-ce que c'est ça qui équilibre l'attaque de l'AS Monaco? Bah, honnêtement, le duo, c'est un quasi chef-d'œuvre, cette association. Le duo Ben Yedder Slimani, c'est quand même. Enfin, après. C'est deux styles qui s'opposent, mais deux styles qui peuvent cohabiter. Et puis surtout ce Slimani maintenant, parce que c'était pas ce à quoi on s'attendait. Tu peux répéter la question, parce qu'en fait s'il apportait à lui seul l'équilibre de l'attaque monégasque. Ce mec il est extraordinaire. Non mais attends, c'est un homme de télé. Entre la Lazio tout à l'heure et là. Non mais si tu te fais une compile, c'est très très fort. On va demander. Non mais c'est très costaud. Mais en fait c'est tellement logique, et c'est ce qu'il me demande. C'est l'équilibre de l'attaque monégasque. On le voit forcément. Tu vois bien que sans Slimani ça ne fonctionne pas, et que c'est indéniable vu ses statistiques et vu ce qu'il apporte sur le terrain que Slimani c'est bien sûr ce qui équilibre en tout cas le côté offensif de Monaco avec Ben Yedder, parce que peut-être que si tu mets que Slimani et que tu retires Ben Yedder, on l'a pas encore eu, mais peut-être que tu retrouves aussi avec une stat différente, donc c'est clair que le duo, en tout cas pour moi c'est pas que Slimani, le duo est important. Oui. Et plus que dans les statistiques, dans la manière de jouer de Monaco, c'est là aussi où il équilibre, où il amène quelque chose près de ces pistons qui sont pas à la base des pistons, mais qui peuvent avoir leur rendement offensif parce qu'il y a un Slimani. Oui, bien sûr. Moi, je vais pas encore faire le refrain, je le fais à chaque émission de Monaco. J'étais très sceptique à l'arrivée de Slimani par rapport à sa dynamique négative, notamment à Leicester, à Newcastle et surtout à Fenerbahçe. Mais ce nouveau Slimani là,
qu'on n'a jamais vu, en tout cas que moi j'ai jamais vu depuis le début de saison. Passeur, intelligent, techniquement très très habile et qui met dans les meilleures conditions Ben Yedder. Ce soir, il a énormément manqué entre les lignes. Et quand on voit la première mi-temps contre Nantes, notamment qui pour moi est l'une des meilleures mi-temps de Monaco depuis le début de saison, sa capacité à donner le ballon à Ben Yedder en première intention, de jouer avec Golovin sur les transitions offensives, de participer aussi avec Gilles Dias dans les jeux en triangle. Ce soir, il a énormément manqué et on l'a vu, Ben Yedder termine le match milieu relayeur parce qu'il lui manque, enfin milieu relayeur, je caricature un peu, mais il est dans une zone, bas, ouais. Il est dans une zone très très basse. C'est parce qu'il n'est pas tellement habitué. Exactement, c'est parce que Slimani doit être ce chaînon manquant et il manque ce joueur-là. Ben Yedder, si tu regardes le match contre Nice, le match contre Marseille sur la première mi-temps ou même le match contre Nantes, il est dans la surface de réparation, il est dans les 25 derniers mètres et t'as Slimani entre les lignes. Et ce soir, c'était plutôt le contraire. On avait Augustin ou Keita Baldé. Tu dois te réadapter. Dans la dernière, qui jouait le hors-jeu très bas en s'empalant sur la défense stéphanoise. Et t'avais Ben Yedder qui tournait autour. C'est deux rôles complètement différents et on avait une animation qui n'a pas fonctionné ce soir. C'est quand la dernière fois que l'OM, que l'ASM, pardon, n'a pas marqué de but en Ligue 1. C'était quand Slimani n'était pas là. Voilà, c'était Reims, quoi. Je crois que c'est Reims, ouais. Ouais, c'est Reims. Bah, les deux n'étaient pas là. Ouais. Les deux ne jouent pas. Donc là, Slimani, il est blessé, il a une petite gêne aux adducteurs. Parce que tu parlais du duo. S'il sera plus là. Mais même quand Ben Yedder est blessé. Nantes, il gagne 1-0. Mais je crois qu'il y a un match contre Strasbourg. Ben Yedder n'est pas là et il met un doublé. Ça fait deux partout, il me semble. C'est ça. Ouais. Mais par contre, l'inverse. Sans Slimani. C'est Reims, quand Slimani n'est pas là, il y a zéro but marqué par Reims Monaco. C'est ça. Donc on verra, hein, il a une gêne aux adducteurs, donc on verra s'il va pouvoir revenir. On en parlait la dernière fois par rapport à Slimani, ça fera aussi partie du facteur X de Monaco, mais son état physique. C'est un joueur qui a très très peu joué l'année dernière, qui a très peu joué il y a deux ans, et qui, à un moment donné. C'est là où je me pose la question. Est-ce que physiquement, il va pouvoir tenir? C'est ça, pour l'instant, c'est carpe diem. Il faudra attendre quand la saison va s'étirer, qu'il va ressentir le manque de compétition. C'est pas la première blessure. Hein. Ce contre Reims, c'était déjà blessé. C'est pas blessé, ouais. C'est des petites blessures, des petites gênes, etc. Et... Après, Slimani, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète au niveau. Et puis, il n'est pas tout jeune, il a 31 ans. Hein, ça doit remonter à quand? Au Sporting. Ouais, au Sporting. Ouais. Sporting où il était quand même très, très performant. 27 buts, là, sur la dernière saison. On va voir les résultats de cette 12e journée de notre Ligue des Talents qu'on adore. La 12e journée de Ligue 1 qui avait commencé avec la défaite du Paris Saint-Germain à Dijon vendredi. On a Marseille qui a gagné contre Lille. Hier, Lyon, grâce à Memphis Depay dans les arrêts de jeu, hier a battu Toulouse. Aujourd'hui, on a eu deux victoires, 2-0, le Bordeaux-Nantes et le Nice-Reims. Et puis cette victoire de Saint-Etienne face à Monaco. On va voir le classement de cette Ligue des Talents. Un classement resserré, du suspense partout. On aime, qu'est-ce qu'on aime ça. Nantes, 3e avec 19 points. Si Lyon l'emporte, Lyon revient à égalité avec le FC Nantes. Lyon qui est 10e de Ligue 1. Pourquoi si Lyon l'emporte? Si Lyon gagne, ils ont 3 points, ils reviennent à hauteur de Nantes. Ouais, mais Nantes, ils vont jouer la semaine dernière. C'est pour faire avancer son idée, bien sûr. Quand t'es 13e comme Nice, t'es à 3 points de la 3e. Mais sur les classements, moi je me moquerai pas parce que sincèrement, sur les 5 grands championnats, Romain, c'est. Mais faisons un bilan après 12 journées. On les fait. Fais-toi le classement de la Liga, tu vas voir. Tu as raison. Mais la moyenne de points est supérieure dans les autres. Non, mais sur le niveau de jeu, je suis ton allié, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur le classement, t'es un peu dur. C'est mon avis, mais je te trouve un peu dur. Sur le classement, le deuxième de Ligue 1, il a 20 points. Mais l'Atlético Madrid, le Barça et le Real Madrid, ils ont combien de moyenne de points? Mais ils ont beaucoup, beaucoup plus que du deuxième à 20 points. 20 points en 12 matchs. D'accord, mais la Liga, t'en attends beaucoup plus que la Ligue 1, par exemple. Quand tu vois en première ligue, Leicester, notamment, ou Chelsea, qui est en totale reconstruction, et Arsenal, United ou Tottenham, la moyenne de points, tu verras que c'est la même chose. Mais tu peux voir la moyenne. Non, c'est pas la même chose. C'est au-dessus. D'accord, on comparera, tu verras. On verra. C'est tout pour aujourd'hui. on verra, ok. Mais parce qu'on va se faire. Moi je le connais, Walidas. On va sortir du studio là. Il va allumer Flash Résultat. Tu vas comparer Tottenham United et Arsenal par exemple. Mm-hmm. Avec Lyon, Marseille. Ils sont pas deuxième, troisième et quatrième. Bah, Lyon, Marseille et Monaco, ils sont pas deuxième et quatrième. Moi je te parle des locomotives, des grosses locomotives. Marseille, ils sont en quatrième de Ligue 1. D'accord, mais tu compares Marseille. Marseille, c'est un peu comme Arsenal. Tu compares Lyon et Monaco avec United et Tottenham. Combien de points du podium ils sont?
Et tu verras. Okay. Non, le nombre de points. T'as dit le nombre de points. Mais c'est pareil. Mais non, t'as dit le nombre de points. T'as dit le nombre de points des gros. C'est fascinant ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Bah parce que Walid qui est en train de se battre. Mais non, mais je trouve ça beau. Non, mais pour voilà, pour tu te bats contre une idée, je trouve ça bien. Tu t'es battu pour la même idée en Serie A, il aurait pas dit ça. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça en fait qui me dérange. C'est Merci Elton, merci Walid, merci Samy pour cette émission. Merci à vous les socios d'avoir été présents pour la débriefer. On vous rappelle la question du soir. La question du soir, elle est sur la Lazio. La Lazio, Ciro Immobile, peut-il emmener la Lazio en Ligue des Champions? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires pour savoir si vous voyez la Lazio se qualifier pour la C1 et si Ciro Immobile peut avoir une importance prépondérante pour cela. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important, on a besoin de vous. Il n'y a pas beaucoup de likes ce soir, on a besoin de votre soutien. C'est gratuit, un petit pouce bleu et ça nous aide, nous, énormément. Et puis là, vous avez tous nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre tous les jours. On est là et on poste des petits trucs. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne du Club des 5, ça c'est en dessous, pour savoir l'heure à laquelle on part, pour vous activer la petite cloche. Merci à Antoine Le Breton, à la rédaction chef de cette émission. Merci à Marius Cassoli, Victor Théron et Thomas Enadi qui étaient à l'édition aujourd'hui, et il y avait Sébastien Ferreira aussi, j'ai oublié, qui était là. Merci à Arthur Lalauré, à la technique et à la réal, parce que nous sur la technique et la réal on est rien. J'embrasse Samuel Vasselin, je lui souhaite une bonne sieste encore une fois. Il va partir bosser. Il m'en doit une, il va faire l'émission demain. Ouais, il t'en doit une. Il va faire l'émission demain, donc demain vous le retrouvez pour la Ah, mais tu pourras lui faire le coup de la sieste aussi un jour. Le coup de la sieste? Ouais, non, ouais, tu mais, moi, mais moi, tu sais, à 20h, c'est pas une sieste normalement. Ah oui, Non, mais tu sais, il a d'autres responsabilités dans de grosses chaînes et il a changé. Il a changé de statut. Non, c'est comme Aguilar. On va vous expliquer, le pauvre Samuel, il bosse sur des matinales, donc il a un rythme de vie complètement décalé. Ouais. Et donc, exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'il est un peu. Mais t'inquiète pas, on va pas le louper pendant une semaine, je vais le faire. Ah non, on va le faire. Pendant une semaine, il va manger. Mais je compte sur toi, je suis pas là. Ah, mais ça, ne t'inquiète pas. Ah, ça, compte sur moi. Passez une très très bonne soirée, une bonne nuit, les socios. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour une spéciale première ligue dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.